Bon alors Zeni, je connais pas grand chose du... C'est quoi ces bruits là? C'est la bébête. Ok. Déjà dès le début c'est inquiétant. Il fait nuit. Il va falloir s'armer. Oui. Alors attention, faut bien choisir. Gros fusil ou pistole? Je crois que le jeu est très difficile. Et des caméras. Genre, très beaucoup difficile. On pose les très caméras gaffe. Pour traquer ouais. La bébête. Je crois que l'étape numéro 1 ça va être ça. On va mettre des caméras un peu partout sur la map, ok? C'est toi qui fais des bruits là? Non. Mais qu'est-ce que c'est? Dans ta tête. Non, il y a des bruits. Hein. Ça fait peur. Coucou les gens qui arrivent dans le chat. C'est. Oh, des balles. T'entends ça là? Ah, oui, ça par contre là, il y a un mouvement dehors. Non, mais il n'y a pas qu'un mouvement, il y a plein de mouvements dehors. Est-ce que le son est bon dans le chat là? Dites-nous. Hein. J'ai à peine eu le temps de faire des tests. Un peu limite. On a besoin de votre aide. On n'a pas l'info, nous. Il y a clairement des bruits dehors. Hein. Ouais. Ça fait un peu peur. Ça va bien se passer. Ah, oh, mais c'est toi, c'est quand tu fouilles que tu fais des bruits, d'accord? Moi je me mets la pression pour rien. Bon, non, par contre, il y a legit des vrais bruits dehors. Bon, on va voir ce que c'est, on sera. Bah, attends, prends des armes, reviens. Attends, on va être fixé. Bon. Il est fou cet animal. Le son est parfait, super, impeccable. Ça me fait plaisir, ça me met de bonne humeur. Bon, alors tu vois, on a la carte. Comment je fais pour l'ouvrir? Ok. Faut qu'on fasse déjà la première étape, je pense que ça va être ça. Aller mettre des caméras un peu partout sur la map, ok? Comme ça, on pourra savoir ce qui se passe partout en temps réel. Tiens, je vais te donner les objets. Tu vas prendre ça. Ouais, faut bien se répartir les objets parce qu'il y a très peu de loot dans le jeu, donc faut vraiment utiliser tout avec parcimonie. Alors, est-ce que tu prends le snipe et est-ce que je prendrais pas le pistol? Faisons comme ça. En gros, toi, tu vas mettre les grosses babales et moi, je vais essayer de m'occuper du matos. Très bien. Ça me plaît, alors, ça me parle. Prends ton kit de soins et tes balles. Moi je vais prendre le drone, les caméras. Petite. Bah non, pas de zik. Ça fait gaffe parce que je pense que le bruit ça peut l'attirer. Hein. Ouais, c'est inquiétant. Et je crois qu'il faut pas juste essayer de chasser le Bigfoot, ce qui va déjà être difficile. Il y a 4 personnes disparues, il semblerait qu'il faut essayer de les retrouver aussi sur la map. Ah ouais. On a des petites photos, d'accord? C'est dans nos cordes, on peut le faire Zeni, on en a vu d'autres. C'est vrai. J'ai Arty qui me dit de tuer Zeni, donc ça commence bien. On est sur un chat qualitatif. Ça commence. Les bons conseils. Salut Max, t'es mon youtubeur préféré. Bah merci beaucoup Yael. C'est gentil. Ça fait plaise. Zeni, j'ai peur en fait. Ça fait aller. Un peu peur. Ah, t'as pris toutes les caméras. Enfin, un peu nuit quoi. Ouais, j'ai les cams. Prends une tablette du coup. Ok. Et moi j'ai les pièges, j'ai de la viande, enfin j'ai à peu près ce qu'il faut. J'ai une caméra vision nocturne aussi. D'accord. Moi ce que je te propose, c'est qu'on va attendre que la nuit se finisse peut-être parce que ça fait peur. Et demain on va aller mettre des caméras un peu partout, ok? On fait le tour de la map, on explore. Mais là vaut mieux pas y aller de nuit, je crois que c'est vraiment pas le bon plan. Hein. Alors moi ce qui m'étonne, c'est qu'on y est arrivé de jour. Mais que la nuit est tombée genre hyper vite, donc j'ai peur que la phase de jour vraiment soit très très courte. On va vite le découvrir. Hein. Est-ce que t'as fouillé tous les tiroirs? Ouais. Il y a des objets utiles. Hein. Mais je crois qu'il faut pas tout prendre sur soi hein, tout le temps, parce que je sais pas si tu meurs, si tu perds le loot. Je sais pas trop comment ça marche. J'aime pas si je peux te réanimer. En fait, je sais rien sur le jeu, d'accord? Ça va être freestyle, hein. Est-ce que Max a pas remarqué qu'il avait pas de munitions, quoi? C'est bien sûr que j'ai remarqué. Évidemment. Elles sont où? Ah, voilà, les babales. C'est bon. Pas faute de l'avoir dit. Ça va, je sais ce que je fais. Ça va bien se passer, d'accord? Ça va être comme dans les films. On me demande si je veux pas faire une pause de 20 minutes parce que je graille au resto. Bah oui, bien sûr. Bah, de toute façon, on va attendre. Là c'est l'objectif, on attend qu'il fasse jour. Alors, la pause de 20 minutes, elle va être faite. Prends ton kit de soins. Ok Zeni, j'aime bien quand tu me donnes des instructions comme ça, ça me plaît. Ok. On va éteindre la lumière parce que je veux pas que le micro commence à faire jour. Il y a une sale ambiance dans ce petit jeu. J'aime pas bien ça. Hein. Non, y'a rien. Alors, donc il y a des pièges. Bon, j'ai 30 balles de pistole. Et on peut regarder les caméras. J'ai 45 balles de fusil d'assaut pour quand on en trouvera. Peut-être on réussira à en looter un.
D'accord. Eh ben c'est bien. C'est quoi ça? C'est quoi ce boucan là? C'est pas des bruits de Bigfoot ça? On dirait une arme à feu? Ou un... lance-pierre? Reviens Zenny, va, t'éloigne pas, ça fait peur! Suis-moi, suis-moi. Non, je te suis pas, moi je reste à la caravane, il est fou, il est dingo! On est chez qui là? La lunette c'est une fois 0,2? C'est vrai que. Ouais. Le zoom est pas franchement existant, hein. Bon. C'est pas grave, ma précision alors est réelle. Si c'était une fois 0,2, ça ferait surtout que tu dézoomerais. Ça dézoomerait, oui, voilà, ça joue sur les mots, Zenny, on adore. Voilà, ça, on adore. Voilà, heureusement voilà. Bon, il fait jour, on va aller mettre des caméras. Est-ce que dans le chat, il y a des gens qui connaissent le jeu quand même? Parce que je crois qu'il est vieux ce jeu, il y a une grosse mise à jour récemment. Hein. Mais je crois que le jeu est assez vieux. Donc si vous avez des petits conseils, je suis pas contre. Bon. Un peu, ok. Shelter 2, Park Entrance, Grand Grove. Bonsoir Village. Les gens qui arrivent sur le chat, bienvenue. Alors, tu vois, mets une caméra ici, je pense, déjà. Comme ça, il y en aura toujours une près de nous. On pourra savoir ce qui se passe. Je crois que les caméras, elles sont à 360 degrés, donc on peut les tourner comme on veut quand on regarde dedans. Alors, attends, je vais vérifier. Là. Oh, je me vois. Oh là là. Petit ça style, tourne, hein. J'ai un beau chapeau, hein. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, Zenny, la tronche. Ouais. Bon, c'est bien. On va en mettre. Donc là, on a la carte. Hein. On va en mettre aux quatre coins, je pense. Combien t'en as au total? Alors là, j'en ai 6 sur moi. Donc, je pense qu'on va pouvoir split Pénard. Alors là-bas, qu'est-ce qui se passe? Bloqué. Quoi? Oh, Artie m'a fait un don, c'est très gentil, mais 10 000 points sans valeur pour acheter rien. Quoi, tu l'as fait? T'as gaspillé tes points sans valeur? Et tu es pas malin si ça. Sans valeur, il a rien perdu. Bah oui, bah du coup, voilà. Hein. C'était marqué en même temps. Hein. Mais merci pour le don quand même. Il t'écrit que... C'était pas censé être en VR. J'ai hésité sur le jeu que je ferai aujourd'hui. Finalement, j'ai changé de plan, non. Donc c'est pas en VR. Parce que je préfère chasser le Bigfoot, d'accord? C'est super. J'allais dire un truc, mais j'ai oublié. J'ai trouvé un campement. Oui, pourquoi le son du don est sorti de mes enceintes et pas dans mon casque? Shelter 2. Ah. Oh, j'ai trouvé un cadavre. Ça, c'est un problème. Attends, Zenny. Attends, Zenny. Vas-y, mollo, Zenny. Je suis derrière, là. Je suis aïe, aïe, aïe. Pourquoi le son est sorti de là? Tiens, il y a des balles de 7,62. C'est pour toi. Oh, ça va encore être... You can't take the item. Oui, vas-y. Pourquoi? On ne sait pas. Eh ben, tant pis. Ce sera le cas à chaque fois et on s'en tape. Est-ce que vous avez entendu le son du don? Ouais, moi je l'ai entendu bizarrement. Dans le live. Ouais, mais pas dans mon micro, mais justement dans le live aussi. Vous l'aviez eu ou vous l'avez entendu dans mon micro? Oui, vous l'aviez eu. Bon, bah ça va alors. Ça va alors, ça va. Tout va bien alors. Hop, capturé on vient par des ton enceintes. Micro, ça passe. Alors. Bon, viens au Shelter 2 là-haut. Oui, je vois, je vois. Il y a on un cadavre. A un problème. Ouais, même plus. Non. Ah merde. Il y a des balles de 7,62 sur un banc que pour récupérer. Qu'est-ce que c'est que ces bruits là? Il y a trop de son maintenant, hein? Qu'est-ce que c'est? Oh! Oh, ça promet! Aïe aïe aïe! Ah merde, c'est les gens qu'on cherchait ça! Oula, le son ouais. Est trop fort là, non? Bon. Ah oui, merde! Bon, bah au moins on l'a retrouvé, hein! Mission accomplie! Ok, récupère tes babales, je vais drop un gros couteau que tu vas pouvoir prendre. On va essayer de baisser le son. Je peux pas drop? Déjà ça saoule la musique, personne ne veut écouter de musique, hein. On n'est pas là pour de la musique. On va baisser un petit peu, on verra, voilà, ça va bien se passer. Bon bah mission accomplie, voilà. C'est cool. Et il avait une note. Monica, je vais avec John chercher de l'eau. Peut-être que John se sentira mieux bientôt, j'ai tellement peur. Ah attends, elle a un truc aussi dans sa main, un téléphone. Ah lui aussi il a un phone. Mais quoi, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, toute une histoire. Bonne nuit. Je peux lire leurs textos, mais c'est interdit ça. C'est la vie privée des gens, c'est dégueulasse. Bon bah il est décédé. C'est pas grave hein. Comment il s'appelait? Peter? On sait pas. Bon, Zenny, on n'est pas très efficace là, faut que ça aille plus vite là maintenant. Là. Oh des munitions! Vous prêts? Ok? Du stuff? Ok, faut aller vers la rivière. C'est là où il y a le mari de la victime.
Ah ouais? Probablement quand on trouve son cadavre pas loin de la rivière. Ouais, enfin pour l'instant, on va peut-être commencer par l'étape poser les caméras, hein, et puis pour chercher les cadavres, on verra plus tard. Bah, hein. Je vais mettre une caméra au niveau du shelter, je pense, pour avoir une vue du truc. Ok. Au cas où ils reviennent sur ses pas, le Bigfoot. Très bien, belle technique. Alors, je me suis renseigné sur 2-3 trucs. Je crois que le Bigfoot, il aime pas trop tout ce qui est fusée de détresse. Donc oui. Si on est en galère, on peut s'en servir pour l'aveugler. J'ai des fusées à main, t'as un pistolet à fusée aussi, que je t'ai donné. Oui, mais je crois que j'ai... Ah si, j'ai des munitions. Pour que t'aies le pistolet, je t'ai tout filé avec. Parce que moi super. J'ai qu'un pistolet, du coup c'est moins pratique. T'es un mec bien, Zeny. Ça va bien se passer, j'ai un confiance. Ah, j'ai plus de stamina. Un chien bah... Ah, oh là, y'a un loup. C'est pas le Bigfoot ce truc. Non. Arrière, démon. Mais tu l'as raté. Non, mais il a tanké. Mais qu'est-ce que c'est que ce délire, hein? Bon. Non mais si c'est dur de tuer comme ça un chien-chien, moi le Bigfoot j'ai peur, hein. Bon écoute, ah, je d'accord, doute, Zeny. Ça va faire de la viande. Voilà, on a de la viande. Ok. Super. Ah mais attends, une strat ce serait pas de foutre des pièges avec de la viande, mettre une caméra et quand la bête se fait choper on la trace. C'est peut-être ça le truc, faut la faire sortir de son antre. Ouais. On pose peut-être, des caméras hein. À côté des pièges et comme ça on sait si elle s'est fait choper et après on la rush. Ça se tente. Parce que le son est encore un peu trop fort, hein. On va réduire. Mais là pour l'instant on est à une certaine distance du camp donc... Ah tiens un fusil, bah, allez je prends. Ok, j'ai un fusil de chasse comme toi. Super. Ah, y'a un mégaphone. D'accord. Ça, je pense que ça peut nous apporter quelques ennuis. Hein. Ouais, c'est pas terrible. Il va faire nuit bientôt. J'ai une flare gun dans le sac. Ok. Oh, y avait des munitions dans le micro-ondes. Mince, y'a un code pour le. Pour le bidule. Un code. Ok, là je commence à avoir un peu peur, il va faire nuit Zeny et on n'est pas à la caravane. Ça va mal tourner. Dans tous les cas, je suis pas sûr qu'on soit à l'abri dans la caravane. Signal, c'est quoi ça? Eh? Prends-le. Attends voir, justement je regarde ce qui se passe au niveau de la caravane. Où est le Bigfoot? Batterie pour drone, bien ça. Je sais pas où il est, c'est pas bon. C'est dommage qu'on ait pas une horloge. Fusée, ok. Je sens qu'on va pas performer là, sur ce live. Oh. Night 2. Il fait nuit. Tu parles, il fait pas nuit, on y voit bien. C'est quoi le jeu? C'est gros pied, exactement, comme Arty dit. Mais c'est quoi ce truc? Un espèce de... Ah, c'est un raccoon! Y'a un raccoon! Y'en a même? Trop bien! C'est marrant ce truc là. Tu crois qu'il peut l'entendre? J'arrive. Ouais, j'entends que ça court tout autour de moi là. Quoi? Je reviens parce que. Et j'ai entendu des pas. Chut, chut, chut. Ça bouge? Il y a du mouvement. Je crois qu'il faut se cacher, Zeny. Viens à l'intérieur, Zeny! Zeny, joue pas les héros, bordel, ou je vais t'enfermer dehors. Hein. Je mets une cam. Ok, on faut éteindre la lumière. Oh oh. Tablette. Ça va bien se passer. Caméra. Bonsoir les gens qui arrivent. On passe un super moment avec Zeny là, on est entre bon, copains. Je passe à la caméra prochaine. On est content d'être là. Caméra 2. Caméra 3. Mais. Je suis désolé Zeny. Tu crois? Bon, j'appuie plus hein. Je crois que j'ai joué au con là. Ah, un raccoon? Non, c'est pas un raccoon ça. Ah bon? Je m'y connais en raccoon hein. Mais c'est un renard, ragondin. Ça, c'est un... un ragondin, mec. C'est un renard en vrai. On s'est pas bien organisé et maintenant on va mourir. Alors non, parce qu'on est à l'abri, on fait pas de bruit. On va mourir. On fait pas. Zeny, y'a un truc qui arrive, y'a un truc vénère qui arrive avec un panneau dans la main. Zeny, au secours! Ah! Chacun pour soi, Zeny! Je te connais plus! Pars-toi! Sale chien de la casse! Il te suit, mec! Quoi? Pistolet de détresse, vite! Non, il fuit!
Ok. Je sais pas la direction, j'ai pas de. J'ai pas de. Ça s'est bien passé. Je retourne à la maison. Ça peut faire peur, hein. Ah, le raid. Ça va. Prépare-toi. J'arrive, je mets une fusée dans la tête, mais genre direct, hein. Ça va être instantané, hein. Non, attends, je mets un piège, je mets un piège. Vas-y, t'es un héros. Il sera obligé de bouffer le piège. Vas-y, t'es une légende, t'es un artiste, hein. C'est pour ça que je t'ai pris. Lumière. Il arrive. Ah bon, pourquoi? Il a pris le piège. Arrière, démon. Fume-le. Ok, dans sa tête, tout dans sa tête. J'arrive pas à changer d'arme, c'est trop dur. Prends sa fumier. Ok, j'ai touché plusieurs fois. Il a une sacrée barre de vie, hein. Oh, il arrive. Oh, il arrive, piège. Bon, là, c'est la merde. C'est ça, roche-moi, roche-moi. Je peux sortir par la fenêtre. Et bim. Putain, mais Zeny, t'es trop fort. Non, ça tourne mal. C'est pour mes fesses. Ça tourne mal, ça tourne mal. Chacun pour soi. Ah. 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 Esquive. Et merde, je prends des dégâts de chute, je suis vraiment une tanche. Ouais, je retourne à la caravane. Je veux rien savoir, je veux rien savoir. Ah non, il me rush. Tant pis, Zeny. Ah, t'es. J'ai voulu jouer Léon. Ça me concerne plus. C'est plus mon problème. Putain, mais il est bugué, Sonia, là. Hein? Ah, je suis down. Il m'a chopé, il me bolosse. Je suis devant la baraque. Pourquoi t'as voulu l'affronter en 1v1, Zeny? Je t'avais dit que c'était dur. Oh, mais putain, mais quoi? T'es où? Ok, j'ai failli mourir d'une vilaine chute, j'ai 10 points de vie. Ok, il est en train de rush. Je m'en doute, c'est pour ça que j'ai sauté. Je pense qu'on va redémarrer à zéro. Parce que là, c'était trop pourri. Non, j'ai quasiment plus de vie. On va peut-être se soigner. Hein. Il tient un panneau interdiction aux humains. Ah bon? Ok. Eh ben, il se fait respecter, effectivement. Je suis reparti à la caravane. Hein. Mais attends, mais toi, t'es mort? Non, non, je suis à la maison. Je me suis soigné. Ah, il sort toi? Je crois, hein. Oh, putain. Regarde dans la caméra, tu vas voir une belle surprise. Ça tourne mal. Ok. J'arrive vers ta position. Tu vas à la caravane? Je suis dedans. Il réussit à la rush ou pas? Je sais pas, je veux plus savoir. Maintenant, ça m'intéresse plus, je vais fermer les yeux. Oh putain, j'entends crier, là. Si bien, je le défonce, par contre. Là, c'est dit, là. C'est annoncé, c'est officiel. Alors, par contre, je suis tout seul, en train de me diriger vers la casbah. J'ai l'impression qu'on me juge dans le chat et j'aime pas bien ça. On fait ce qu'on peut, hein. C'est pas facile tous les jours, c'est un métier difficile. Tu veux pas venir me chercher, là, avec tes flare guns, s'il te plaît? Non, non, mais je vois, t'es pas loin, hein. T'es bien, continue. D'accord. Non, mais la cohésion d'équipe... T'inquiète, non, mais attends. C'est un début, ça. Bon, j'arrive. Bon, bah, de toute façon, maintenant, il commence à faire jour, donc bon. Ah, bah voilà, on a failli gagner. Ça s'est super bien passé, Zeny. Ouais, alors par contre, il a l'air d'avoir beaucoup de vie. Bah, et puis moi, j'en ai plus beaucoup, hein. On va utiliser un kit de soins, mais je crois que c'est une denrée rare, donc déjà, c'est pas bon. Ouais, j'ai déjà utilisé beaucoup de balles de snipe. Ça met pas beaucoup de points de vie. Bon, bah, ça va être un projet à long terme, hein. Ah, bah là, ouais. Bah, attends, il commence à faire jour, faut qu'on se mangue d'aller aux prochains endroits. Donc, on va suivre la route. Oui. Oui, mais attends. Je crois qu'on fait n'importe quoi, en fait. Là, ça va pas fonctionner. Oh, une batterie de drone. Caméra de vision nocturne. Ok. Ah, mais attends. Non. Zeny, faut rentrer maintenant. Faut rentrer, Zeny, hein. J'ai mon flair. T'as ton flair? C'est très bien. Ouais. C'est très bien. Ah, alors, on me traite de lâche. Ça, c'est pas cool, ça. Il va y avoir quelques bannes, hein. Ah, la modération vient d'arriver, tiens. Bonsoir, qui bronze. Bienvenue, je suis en train de performer là. Il y a une caméra qui a fait bip bip, celle du chalet. Je crois que ça veut dire qu'il y a eu de l'animation autour d'elle. Ouais. Ah, j'ai trouvé un truc, rejoins ma position, on a un nouveau... Oh là. Ok, Zeny, je vais le faire. Je vais le faire.
Mais d'abord, je fouille les tiroirs vite fait. Il y a un totem de Bigfoot. Totem, hein. Est-ce que t'as une trousse de soins pour moi? Non, il y a un piège. Quoi? Il met des pièges, ce sale chien. Il y a un arbuste qui m'est tombé dessus. Le Bigfoot met des pièges. Ouais. Comment est-ce possible? Ah bah, il doit être intelligent, le bourre. On va le fumer. Là, on va le fumer, là. Maintenant, c'est personnel. Je vais le descendre moi-même. Ok, je suis à Grand Grove Village. D'accord, j'arrive. Je crois qu'on n'est pas organisé. On a un drone aussi. T'as pris le drone, toi, hein? Ouais, j'ai une batterie de drone. Faudra que je te la donne. Parce que le drone, déjà avec le drone, on peut repérer le Bigfoot. Ça, c'est bien. Mais je crois qu'on peut le stun en plus. Ça utilise beaucoup de batterie, mais je crois que tu peux lui envoyer un petit coup de jus avec le drone. Ça peut sauver des vies. Mais là, le truc. Ah, j'ai trouvé des feux d'artifice, il y a des munitions de pompe là. Faut qu'on trouve des armes là, faut qu'on loot. Faut qu'on loot, hein. Qu'on le fume. Bah, faut looter deux jours. Rapidement, poser des caméras, c'est bien, là, t'es bien. Et rentrer se cacher la nuit au début, quoi, parce que là, on n'est pas organisé. Une lanterne, ça peut servir. Comment on drop, par contre, ça, c'est vraiment le truc que je n'arrive pas à faire. Pour lâcher un objet? Ouais. Je sais pas si on peut. On peut peut-être pas, hein. Est-ce qu'on peut donner, mais enfin, faudrait pouvoir lâcher, vu le nombre de trucs qu'on ramasse. Je crois pas qu'on soit limité sur notre inventaire, donc c'est pas tellement gênant de tout prendre, hein. Yes, je viens de me heal. Oh là, ok, il y a un fusil à pompe, calibre 12. Il y a un Glock 17, viens le chercher dans ma baraque. J'arrive. Là, on est équipé, là. Là, il va se passer quelque chose. En direct, sur twitch.org. On va finir le jeu, du premier coup. Mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Ah non. Je meurs activement, là. Ah oui. Bon bah, c'était un piège. Tu crois? Non. Bouteille de gaz. Mais voilà. Ah, voilà la solution. On peut lui atomiser sa face. On va lui faire sauter le caisson, ça va être super. Où est-ce qu'il est le pistol gun que t'as trouvé? Sur une petite étagère sur le mur. Ah. Bah voilà, mais on va finir le jeu. Oh là, j'entends des mouches, je pense qu'il y a un cadavre. On est bien. Quelque part. On est très très bien. Oh là, oui. Bouteille de gaz. Yay. Ah non, c'est la poubelle. Ouais, bon d'accord, on s'en fout. T'as pris le pompe? Oui. Très bien. Oui, oui monsieur, mais là j'ai 30 points de vie. Il y a un petit biche. Ok. Et puis on va mettre en place une règle, hein. Si on a un qui meurt de manière définitive, faut recommencer, hein. Parce que je vais pas te regarder jouer, je te vois venir. Donc tu me protèges, Jenny, maintenant, c'est ça que j'essaie de dire, c'est le sous-titre, il faut que tu me protèges, Jenny. Sauve-moi, Jenny. Viens-moi en aide. J'ai plus de vie. En fait, je dois mourir à ta place. Oui. Très bien. Oui. Faisons comme ça. J'ai trouvé des munitions pour ton pop. Oup. Ok, ça pop. Me plaît ça. Eh ben, je vais venir. Slash. Ah oui, mais... Oh, kit de soins, yes. Voilà, ça y est, le destin est avec moi. Le jeu veut que je gagne. Flare gun bullet. C'est un flare gun. Bon, on a fait le tour. Comment on s'en sert? Stupide jeu. Ah, c'est vrai. Très bien. Ok, on va gagner là, on est bon là. Oh! Équipé! Ah, mais j'ai plein de trucs! Ah mais pourquoi? Pourquoi? C'est toi qui as fait ça? Quoi donc? T'as pas entendu un radio réveil qui a fait bip, gring, dring, dring, dring? Non. Moi je l'ai entendu. Une lampe torche un par terre. Il fait un bruit bizarre, on dirait qu'il va s'écraser. Je chercherai Monica dans la cabane dans les arbres. J'ai trouvé une note de Peter Mills. Ah bah c'est celui qu'on a retrouvé en morceaux. C'était sûrement sa dernière note. Putain mais les arbres craquent comme jamais. Ok, la bougie. On avance moyen là. Je pense qu'il faut... Ouais, on avance moyen pour l'instant. Y a pas l'heure ? On a pas l'heure. Ah, je suis à la waterfall, attends. On peut pas connaître l'heure qu'il est. Grey Falls. Pratique, ah, j'ai trouvé un petit camp. Y'a rien du tout. Bonsoir les gens qui arrivent dans le chat, bienvenue.
Tu es le meilleur youtubeur, bah c'est gentil. Je suis pas sûr, hein. Je suis pas sûr. Mais j'accepte quand même. J'accepte ce rôle. J'en serai digne. T'es à la chute d'eau là? T'as mis une caméra? Ouais. Okay, ok. Ouais, j'ai mis une caméra à la chute d'eau. Je suis en train de suivre la route, la rivière aussi. Est-ce qu'on peut voir venir les pièges ou c'est parfaitement aléatoire là? Parce que j'ai pas envie de m'en reprendre un. Non, je pense qu'on peut les voir venir. Je okay. traverse la rivière. Ok. Fais gaffe parce que là la nuit il arrive bientôt, je pense. Faut, ouais, faut encore se faire fumer. Trouver une cachette. Un gros planqué. Je suis un grand arbre. Il y a bien longtemps, ça me tombe dessus. Encore. La bête, c'est régène de la vie. Merde, il peut se régène. Ouais. Sûrement s'il mange, non? Possible. Il y a des animaux herbivores, je crois. Donc, vaut peut-être mieux tous les buter pour pas qu'il puisse les tuer lui-même et les manger. Ah, peut-être qu'il faut mettre des pièges avec de la viande, comme ça il se ramènera à chaque fois et bim, il se prendra un truc. Du coup, justement, on peut faire les deux. On peut faire les deux. Est-ce que c'était bon niveau son? Des fois ça gueule un peu, j'ai l'impression. Dites-moi dans le chat si. Si c'est pas mal équilibré parfois. Je voudrais pas qu'on entende. Enfin, surtout qu'on entende bien Zeny en fait. Je te sens un peu masqué des fois. N'hésite pas à hurler, Zeny. Ah, ramène-toi. Bon bah là par contre on va se battre. Hein. Non non on veut pas ça. Ah bah... Non non non, non les tipis. Les tipis. Les quoi, tipis. On a un compte Tipeee. Bah on reste ça rapporte pas assez Twitch. Non 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 non, j'adore les blagues Zeny, hein. T'es un sacré blagueur hein, mais on reste dans le Tipeee. Oh merde, c'est notre destin ça. On va finir pareil que ces crânes. Ah oui d'accord. Ah, fuel canister, tiens. Ça va, tout va bien, regarde, on a un petit camp de base. On ça reste y est, là. C'est la nuit. On attend. On attend sagement. La bouteille de gaz plus le piège à loup. Alors ça, c'est peut-être une technique. Effectivement. Ouais. Je vais mettre la bouteille de gaz juste là, avec le piège à loup à côté. Ouais, enfin, faut faire gaffe. Avec faut pas être trop près, je pense. Hein. Lanterne pour éclairer le piège. Et je vais mettre de la viande dans le piège. Peut-être lui mettre un fuel canister à côté, histoire de l'allumer. Et un fireworks, histoire de l'allumer. T'as l'air de savoir ce que tu fais, hein, c'est bien. C'est parfait. Je te regarde faire, Zeny. Hein. Moi, je suis près de ma lanterne, je suis content. Je suis content de regarde la caméra. Ah oui, et ça, c'est pas un choc utile. Je vois rien. Ça va, ça a l'air d'être une nuit. À la limite, je pose un piège juste devant la tente. Hein? Tu le vois? Non, mais je l'entends. Enfin, je sais pas si. Ça veut dire, on l'entendait près de nous là, du coup, hein? Ouais. Pas bon ça, hein? Continue de guetter. Je guette. Ouais. Ah, dis donc, je te vois. T'as pas l'air rassuré, Zeny, hein. Je t'ai déjà vu plus sûr de toi. Mais est-ce qu'il sait magiquement où on se trouve ou c'est juste si on fait du bruit? J'ai l'impression qu'il sait par magie. Oh, bordel j'arrive. De jeu. Ah, ah, y a un démon. J'ai pris le piège. Ah, ah merde. Bah merde, moi je voulais le faire fuir. C'était pas prévu, ça. Attends, bon, attends, je le ramène dans le piège. Il a fui. Faut le ramener dans le piège et on va le faire péter. Faut pas fuir plutôt? C'est bien non, fuir. Non, hein. on l'allume. Oh, de toute façon, tu veux fuir où? Bah, dans la caravane, détente, sécurité. Détente, sécurité. Hein. Détente. J'ai peur là. Ok, il arrive du même endroit de là où il a fui, je crois. Ok, très bien, bonne nouvelle. C'est quoi, je vais mettre une bouteille de gaz en plus et on va faire des étincelles. Sache que tu peux sprinter et straffer en même temps. Ça te permet d'esquiver. Ok. Il arrive. Il arrive. Il arrive. Allez. Allez mon gars. Oui. Prends sa fusée. Allez. Alors, comment je m'appelle? Ça va mal tourner là par contre, je pense. Fais gaffe, il peut le lancer son truc. Oh là là. Waouh. La tatane. Beaucoup de plaisir. Aïe. Beaucoup de fun. Genre hein. Je suis down, il me bute, Bah oui mais non, mais ça va jamais marcher. Let's go.
J'arrive pas à changer d'arme, ce système est trop stupide. Et merde, quelle connerie. Casse-toi maintenant, rentre chez toi là. Retourne d'où tu viens. Sima, c'est un piège, il m'en reste un seul. Ouais, cool. Ouais. Moi je vais me tirer là maintenant. Je pense que c'est le moment de se casser et de te laisser tout seul. Oh, il y a une note. Peter, je sais pas où tu es. Ok. Intéressant. Ah, ça va servir. Waterfall. Visiblement, il a été détecté. Comment tu sais toutes ces choses? Ça fait bip bip. Ah oui. Ah oui, il est là-bas. Je sais pas s'il vient vers nous. Je peux pas contrôler les caméras, j'ai un petit problème de touche. J'ai 30 points de vie, c'est la mort. Ouais. On me dit que je suis un pro gamer, bah voilà. Soigne-toi. Ça, j'ai toujours su ça. Comment tu fais pour te soigner toi-même? Il t'avait pas mis à terre? Non, en fait, c'est une animation, tu prends cher, mais après tu te relèves tout seul. D'accord, mais est-ce qu'il te reste des kits de soins toi là? Là non. Ok, moi non plus. Hein. Ça va mal finir. Ok, il revient à la charge. J'ai posé un piège juste devant moi. Ah, il vole. C'est tout stylé. Ah non, il vole pas, c'est une icône. Décevant. J'ai une caméra de vision nocturne, mais elle a pas de pile. Ça, c'est bien dommage. Moi, j'ai une caméra de vision nocturne avec des piles. Je ne vois rien. Rappelons-nous de Zenny qui a combattu héroïquement le monstre en 1v1 pendant que Max le regardait faire. Alors, ça, c'est des rumeurs, d'accord? Il n'y a aucune preuve. J'ai soutenu Zenny, j'ai tiré sur les bouteilles de gaz. C'est moi qui ai mis le plus de dommages, d'accord? Je carry, je hard carry. Alors, j'ai tiré dans le jerrycan. C'est vrai, t'as fait ça? Ouais. Tu crois l'avoir fait. Tu t'en souviens comme ça, mais t'es dans l'erreur, Zenny. Je rentre à la caravane, hein, t'es prévenu. Ça va durer toute cette histoire. J'ai peur. Voilà, je te le dis, j'ai peur, je te le dis, comme je le pense, c'est comme ça, Zenny. Il y a des creepy. Pas les erreurs de films d'horreur. Il vaudrait mieux qu'on fasse un je tour. Je crois que j'ai retrouvé quelqu'un qui était perdu. Ah. Ah, il y a un piège, là, c'est bien, ça. Aïe, Ça a mal tourné pour elle aussi, hein. Oh, je vois, la bête est en dessous. Elle est en bas, elle se balade, regarde. Touché. Mais pourquoi? Elle fuit. Allez, faut qu'on la poursuive maintenant. Pour pas qu'elle se heal. Bah ouais, enfin on va sûrement mourir, hein, parce que là on a plus de vie, hein. Il faut qu'on explore la map et qu'on trouve de quoi se soigner, sinon c'est fichu. Dans tous les cas, faut aller en ligne droite vers le centre, on n'a pas exploré. Très bien, faisons-le. Faisons-le. J'ai pas peur, de toute façon. Je suis serein. On peut pas pister. Non, on peut pas pister, je crois qu'il n'y a pas cette fonctionnalité, c'est dommage. Et puis je pense que si tu le suis comme ça, tu vas tomber dans un de ces pièges. Et ça va se finir très vite. Ouais, bah regarde où tu mets les pieds. Hein. Je suis sûr qu'on peut pas les voir. Voilà, attends. Il y a du sang là par terre. Ah. Oui, il y a du sang là aussi. Ah non, c'est pas. Mais bah, du sang, c'est les feuilles de type coloré. Ouais, rouge. Bah, c'est des plantes rouges, c'est joli. D'accord. C'est joli. Il y a un coin. On va tous mourir. On va tous mourir là, en direct. Je me cache. Mission de pompe. Tiens, attends, j'ai des balles de pompe pour toi. Je te les donne. Super, ça va vachement me servir quand je serai en train de me faire buter. Oui, bah écoute, hein, bats-toi. Merci. Là, il y a des munitions de pompe. Il y a des munitions de pompe un peu partout. Est-ce que je peux me mettre une balle dans la tête histoire d'accélérer le processus? Ce serait pratique. Une. Balle de 7. Balle de 7. Flare gun, c'est pour toi ça? Tiens, flare gun. Ah ouais? Vas-y, fais-moi rêver. Tiens. Génial! Mais les gâche pas! Mec, c'est pour qu'on vienne nous sauver là, c'est l'enfer, on va mourir, Zenny! Oh là là! Bip boop! Bon. Bon. C'est quoi le projet? Il y a de la lumière là-bas. J'aime la lumière. Ok, dans le chat, tout le monde se moque de moi là, ça y est, c'est comme ça que ça se passe. Hein. Ça valait bien le coup, tiens. Tout ça pour ça!
Il est bizarre cette arme, non? Ah, les arbres, il y a des arbres qui ont l'air chelous des fois, genre. Ça veut pas dire que c'est un piège? Merde, mon couperet! Bon, je suis pas sûr que le couteau soit très fort. Par contre, on trouve souvent des haches. Munition de pompe. Bonsoir les gens qui arrivent sur le chat. Bonsoir et bienvenue. On chasse le Bigfoot. C'est surtout moi, hein, Zenny, il regarde un peu, je lui apprends. Tu apprends les ficelles. Ça se passe bien. Oh! Choc. Ah. Il y a un coffre. C'était quoi ce bruit là? C'était l'enregistrement qui faisait ça. J'ai une batterie de voiture. Il y a un coffre, mais je sais pas la combinaison. Un truc dans la map qui indique la combinaison, peut-être. Il y a peut-être ça. Hein. Est-ce qu'on peut boire la vinasse? Parce que, genre, là, ça m'aiderait. Ça remettrait mes points de vie. Ah, y a rien. Ok, on se casse. T'as pris les munitions de pompe sur le petit bidon bleu? Bah, non, maintenant je les ai. Bah, allez, on est reparti. Suivons la route. Je suis content d'être là. Hein. Y a un chien. Prends sa fumée! Arrière, démon! Je prends de la casse. Allez, tiens. On se fait respecter ici. C'est ma jungle. C'est mon royaume, mon terre-terre. À l'ancienne. Comme lors de la préhistoire. Waouh. J'entends des bruits. Ouais. C'est des bruits que j'entends avec mes oreilles. Des sonorités, j'en suis sûr. Il y a des sons. On dirait qu'il y a du sang sur l'arme, mais... Non, ce ne sont que des feuilles. J'entends un cerf. Voilà. En fait, c'est un peu Hunting Simulator. Prenez la viande et les fusées pour l'attirer dans un piège. Ça se tente. Ça se tente, effectivement. Ah, est-ce qu'il te reste beaucoup de pièges, là, à ce stade? Alors, attends, j'en ai 3. Ok. 3 pièges à loup, le souci c'est qu'on a rien pour le faire péter avec. Et on a rien pour se heal aussi. On va probablement mourir. Moi je vais retourner à la caravane, hein, et tu me feras un compte rendu de loin. Hein. On va éviter. Parce qu'il y a des chances que ce soit toi qui meurs. Bien bon? Oui. J'ai pas peur moi de la mort. Attends, pourquoi certaines caméras sont oranges et d'autres sont blanches? Batterie de voiture. Ah, 2841. Il y a un code là. C'est bizarre ça. Mais je sais pas pourquoi. On a un petit 2841. Il se passe quoi quand vous l'avez tué? Bah, victoire en fait. Fin du jeu, on est fiers de nous et on va se coucher. Hein. Ouais, c'est ça qui va se passer. Après. Ah, il y a une sorte de caverne. Batterie de voiture. Okay, non, un piège. Quoi? Yes. Quoi? T'es où, Zenny? Eh ben, j'ai pris cher. Oh non! Et il y avait rien au sol, mais tranquille. Il est pas loin, il a fait grrr. Il a fait agrou-grou, hein. Non. Si. Il y a une batterie de voiture, c'est très bizarre. Prends la batterie. Mais quelle est l'utilité? Qu'est-ce que t'as fait? Je sais à quoi ça sert la batterie de voiture. C'est bon. Non, t'as tiré dedans. Ah merde, mais je suis en train de mourir. Zenny, au secours! Je suis au sol et je crois que je vais mourir bientôt si tu fais pas quelque chose. Ah oh, punaise. Je voulais en finir, ça va. Je savais pas quoi faire d'autre, j'ai peur. J'ai du combien de temps? Je pense que t'as 15 secondes. En plus. Ah 20. Non, c'est un ours. Mais je vois que. Prends ton temps, hein. Hey, mais y'a un ours qui arrive, y'a un ours. Attention, y'a un gros nounours. Mais je peux pas te relever. Bah, ce fut un plaisir. Oh non. Au revoir, merci, hein, à bientôt. il va me bouffer, je pense. Non, il t'a pas vu. Là, au moins, je peux servir d'appât, donc tu peux le faire, Zenny. Tu peux le faire. Je sais pas, j'ai rien. Tu peux le faire rien. Maintenant. Je crois en toi, Zenny, tu sais. Viens écouter mes dernières paroles, Zenny, viens. Viens près de moi. Me laisse pas mourir tout seul.
Mets-moi une balle dans la tête, Zenny. Fais-le. Non, y'a pas de tirelier, j'ai déjà mis une balle. Oh merde. Putain. Je peux te donner des objets si tu veux. Tiens, tu veux un pied de biche? Ne me laisse pas mourir, Zenny. Reste près de moi jusqu'à la fin, Zenny. Wow! C'est quoi ce délire? Y'a des arbres qui tombent maintenant. Putain, la nuit elle arrive. On est cuit. Zenny, reste près de moi! Non, tête cesse. J'ai peur! Je veux pas y aller, Zenny! Me laisse pas! Fais quelque chose, Zenny, fais quelque chose, fais un truc! Oh la mort! T'as même pas trouvé une dernière parole réconfortante à me dire, quoi! Tu m'as regardé avec ton regard vide, il s'est rien passé! Je suis trop déçu! Oh! Comment t'es mort, Max? J'ai dû quitter le live un bref instant. Alors, en fait, il y a Zenny qui était sur le point de se faire tuer par le Bigfoot. Donc, je me suis dit, quitte à ce que quelqu'un meure, bah, autant que ce soit moi, parce que je suis comme ça, moi, je fais preuve d'abnégation. Ouais. Donc, je me suis sacrifié en attaquant le Bigfoot. Et bon, bah voilà, ça a mal tourné. Hein. Du coup, Zenny, comment elle se passe, cette petite virée en forêt, la nuit? C'est bien? C'est sympa. Décris-nous ton ressenti à chaque instant. Hein. Pour l'instant, j'essaie de me guider. Ok. Vers un endroit où il y aurait un bâtiment. T'as une belle paire de jumelles, hein. Ce sont des lunettes de vision nocturne. Ah. Y a des piles dedans? Oh, ouais, parce que j'ai les piles. Oh, punaise. Ah, d'accord. T'aurais peut-être pu me les donner quand c'est moi qui avais l'objet en question. Mais j'avais déjà un objet, c'est juste que j'avais l'objet, t'avais pas. T'as pas volé le mien? Eh ben non. Je comprends, t'es un mec digne. Ça craint. Bon bah je pense que... Oh, punaise. Ça prend une sale tournure, hein. Bon bah... Solution, hein. Ah, t'es équipé, hein. Ah ça... Zenny en sueur, hein, c'est marqué dans le chat, hein, quand même. Hein. Oui bah doucement avec Staline, hein. Ça a mal tourné. Quand Bigfoot il va se montrer, il va m'en faire le malin, moi je vous le dis. Je vais l'attendre. Et je vais lui tendre un pied. On va pas se mentir, t'es nul. Ok. Ok. Aïe aïe aïe. Ça fait mal ça. Hein. La vérité qui blesse. Hein. Ça c'est douloureux ça. C'est dur de l'accepter. Qu'est-ce que c'est que ce boucan encore? Y'a un truc dans le ciel. C'est quoi ça? Y'a la nuit qui pointe le bout de son nez, genre la lune. Uh-huh. Oh le v'là. Chien de la classe. Ça tourne mal. Viens. Qu'est-ce que tu vas faire? Ok. Et là c'est la bien, fuite hein. Ça se passe bien. Ça se passe bien. Aïe aïe aïe. Ça se passe bien, ça va. Je savais que t'étais fait pour ça, Zenny. Petit okay. Piège. Ok. Il a fui. J'ai 18 HP. Ça se passe bien. Je suis fier de toi, hein. Très content. Hein. Bon, bah c'est le moment de lire le chat. Ah. Quoique. Si il m'attaque. C'était un avion. Chien de la casse. Un ovni. On te dit de monter sur le toit du camion. Je suis pas sûr que ce soit possible. Je peux pas, j'y arrive pas. Peut-être que vous pourriez déclencher une bagarre entre le Bigfoot et un autre animal. C'est vrai qu'on peut peut-être utiliser les ours. Hein. Ah bah écoute, hein, si on trouve un Wendigo, pourquoi pas? Ça se tente. Je pense que tu devrais accepter ton destin et mettre fin à tes jours, Zenny. Certainement pas. Je me battrai jusqu'au bout. C'est ta destinée, là. Il arrive et il va te frapper dans la bouche. Je trouverai. Je crois que tu l'as impressionné. Hein. Ouais, il se montre plus. Hein. Solide. Je
si je survis cette nuit, voilà, je suis trop chaud. Voilà, on recommence direct surtout, en fait, je veux rien savoir. Ah on oui, recommence, oui. On recommence, je viens, et je me venge cette fois-ci, je le défonce. Tiens, il y a même la modération est d'accord. Vous voulez pas relancer du fait qu'il est qu'à la moitié de CHP. Alors on sait pas, hein. On a confiance en Zeni. Zeni, c'est une machine. C'est un héros. Il peut le faire. Zeni s'en sort mieux sans toi. Ok. Ok. Où est ce gros schlag? Par contre, pas terrible nos armes. J'ai beau avoir 110 balles de... Allez, présentez vos excuses maintenant, j'écoute les excuses. Un par un, hein. Tout le monde dans le chat. Hein. Et un paragraphe par personne. Allez, faisons-le. Hein. J'aime pas bien le manque de respect. Ah, tout le monde se moque de moi, ok, ok, ok. Voilà. Ok. Bon, Zeni, à l'attaque. Tire un coup en l'air, il va venir. Ça va bien se passer. Ah, écoute, il semblerait que le jour se lève et que j'ai réussi mon défi. Bravo. T'as eu un peu de chance. Donc, bon, quand même. Hein. Il y en a vraiment qui s'excusent dans le chat, ça va, je rigole. C'est une blague honnête, enfin. Salut Max, je regarde ta chaîne YouTube, c'est vrai? Toi aussi? Moi aussi, des fois, je la regarde. C'est pas mal ce que je fais. Ouais, moi aussi, des fois. Des fois, ouais. Sympa, sympa. C'est... Bon. Ça va, ça passe. Allez, on dit qu'il fait jour. Bon, on va relancer, hein, je pense. Hein. Allez, est-ce que je peux me tuer moi-même avec mon piège à loup? Oui. Quoi? Ah, mais attends. Quoi? Je suis pas mort, là. Ah, ça va venir, t'inquiète. Ah, il va me finir. Ça va me finir. Aïe. Ah ouais, au début, c'était drôle, la balayette, mais là... Non, là, c'est vexant, hein. Ah, attends, est-ce que ça veut dire qu'il a un antre? Il a sûrement une tanière ou un truc dans le genre, ouais. Hein. Mais attends, s'il a une tanière, ça veut dire qu'il faut le traquer et trouver où il se planque. On va le faire. Chaque chose en son temps. D'abord, ce que je vais faire, c'est que je vais faire... Bibo. Ok, en attendant. Alors, 270, j'ai fait 722. Okay. J'ai touché 75 okay. fois, je me suis heal 3 fois. Ok. D'accord. Connexion perdue. Petit alors, lobby. On va relancer. Attendez voir. Genre, full vie pour le Bigfoot et full damage. Oh mon dieu. Bim. Ok. Bon, j'ai enlevé le jeu le temps que je rentre les informations du serveur. J'ai enlevé l'image. Parce que, quand même, hein. Sinon, pas trop foufou. Est-ce que tu as recréé le serveur? Oui. Bon. Cette fois, on gagne. On gagne facilement. Ouais. On l'emporte. Ouais. On peut le faire. Ouais. On en est capable. Ouais. On va triompher. J'espère. Oui. 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 Ok, tu prends qui? Bah, c'est déjà fait, j'ai pris le même personnage que l'autre fois. D'accord, bon bah écoute, moi je vais essayer de prendre... Avec mon beau chapeau. C'est super. Je vais prendre un agent de la paix. Et voilà, transition, incroyable, fluidité. Fluidité en fait, dans le streaming. C'est fluide. Alors, qu'est-ce qu'on dit dans le chat? Tout le monde dit, en gros, plus ou moins, que Zeni, il est super et que moi, je suis une brêle. En fait, c'est ça, l'idée bah, globale. Du coup, c'est un peu la vérité, quoi. Non. Bon, ce coup-ci, Zeni, je t'explique. Ça va être beaucoup plus efficace. Ce qu'on va faire, c'est que toi, tu fais des stratégies, tu fais des trucs... D'accord. Tu chasses le Bigfoot, tout ça. Tu le fais.
Moi, je reste là et je suis la progression sur les caméras. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Dis donc. Tu te planques. C'est une stratégie, c'est une méthode. C'est pas une méthode, ça, de se planquer. C'est ma méthode. Ta méthode, elle est claquée. Bon, alors, d'accord. Autre technique. Je prends la trousse de soins. Déjà. Je prends le fusil. Allez. Bon, on prend le fusil. Très bien, faisons-le. Je prends le barbec. C'est chargé, c'est verrouillé. Ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas besoin de faire venir le Bigfoot à nous, puisqu'il vient à nous, en fait. Ouais. Mais j'ai l'impression qu'il vient même littéralement toutes les nuits. Mais ouais, même si on fait pas de bruit de ce fait, enfin, c'est bizarre. Ouais. Ouais, on peut pas passer une nuit en l'évitant, quoi. Je suis sûr que ça doit bien être possible. Pourtant, il y a forcément un moyen de faire en sorte qu'il vienne pas nous voir de la nuit. Sinon, c'est trop galère. C'est lui qui va nous tuer à petit feu, en fait. C'est lui qui nous chasse. C'est nous les proies, on est des victimes. Bah, en fait, faut réussir à le faire fuir avec les. Par exemple, les fusées ou ce genre de trucs. Je crois que ça fonctionne. Ah oui. Ouais, donc on peut faire ça. Ok. Ok, c'est une méthode. Munitions. Ok, première j'ai nuit. Caméra et une pile. Tiens, regarde, une caméra Night Vision là. Oui. Ici. D'accord, mais j'ai pas de pile. Et si, la pile elle est à côté. Non, ah oui, si. Oh, un piège. Yes. Alors, ah oui, c'est pratique ça. Putain, il y a trop de petits rangements partout. À chaque fois on en oublie. Bon. Donc déjà, cette nuit-là, on est obligé de rester planqué ici. Tu crois qu'il peut retourner la caravane non, ou on essaye? Non, je pense pas, parce que justement, la première nuit, il s'est jamais montré, il a jamais crié. Tu prends le flare gun sur la table. Donc je pense qu'on est libre pour sortir et commencer à s'installer. Ok. Il okay. y a un signal flare et un first aid dans les deux rangements, là, au-dessus du frigo. Oui. Ah bon? Ah! Mais ça met bien, ça! On est équipé. Mais j'arrive où le loot est aléatoire. Oui. C'est problématique, ça. Et il y a une tablette dehors pour pouvoir voir les caméras. D'accord. Il y a un ordi qui a fait un écran bleu, paix à son âme. Oh, dur. Dur. Bon, bah, je vais jouer sur ma tablette, d'accord. Candy Crush. Doodle Jump. Non. Si. Et toi, tu chasses le Bigfoot. C'est où, les jeux? Ça marche pas. Non, par contre... Et au pire, fais un tour de drone, non? Pour voir s'il est dans les parages. Tu sais le maîtriser, le drone? J'ai pas de batterie pour le drone, je crois. Il y en a forcément quelque part. Attends. Est-ce que je peux te regarder 2, faire 3, 4, 5, 6, 7... Mince, je peux pas sélectionner le drone. Ah, moi, l'arnaque. Je peux. Ok, t'es vas-y. Sûr que tu peux pas, avec la tablette. Non, mais moi, je vais pas tu réussir vois, à le contrôler. Tu sur les touches Attends. Du clavier, là. Réessaye. Ah, oui, c'est ça, ouais. Ouais, mais non, moi, je peux pas, je suis pas en QWERTY. Bah change les touches dans les options. Ouais mais dans les options je les ai pas trouvées les touches. Bah mec. Mais moi non plus je suis pas en QWERTY. Pourtant c'est les touches du pavé numérique que t'essayes hein. Ah non pas le pavé numérique, j'ai pas de pavé numérique sur mon clavier moi. Ah ouais bah c'est ça le problème. Mais attends donc tu peux jamais changer de caméra? Comment tu fais quand tu regardes juste les caméras? Bah je peux aller jusqu'à 4. Bah c'est bien ça. Bien Zenny, hein. Bravo. Bravo. Écoute, tiens, prends ton drone. Merci. Et arrête de me saouler. Du tout. Bon allez, je vais faire un tour de drone puisque t'es pas à la hauteur. On va explorer, hein. Ah. Ça marche. Accompagne-moi avec ton drone. Attends, bah oui, mais il est plus fonctionnel. Qu'est-ce que c'est que ces bêtises là? Mais. C'est pas vrai. Ah non. Non mais on se moque du monde. Attends. T'as fait des bêtises, Zenny? Ah non. Bah je comprends pas, il devrait fonctionner. C'est quoi ça? Non mais le jeu il bug. Et là? Est-ce que la co aurait lâché? Non, je pense pas. C'est pas un souci de connexion internet? Parce que là j'arrive plus à rebaisser la tablette. Hein. Donc là on est quand même sur un bug réel. Un bug réaliste. Ah. Ça y est. Bon bah le drone veut plus hein. Le drone ne veut plus. Le drone est capote. Le jeu a quelques bugs. Et maintenant? Essayons. Non, il n'y a pas de signal. Et il marchait il y a 2 secondes. Non mais il n'y a pas de batterie, je pense. Ici, il y en a. C'est marqué, il est full batterie. L'icône est en dessous de ma caméra, mais c'est marqué que la batterie est pleine.
Le jeu est en train de bugger. Bah écoute, on en a pas besoin. C'est vrai qu'on en a pas besoin. C'est pour les touristes, ça. Nous, on est des héros. Ah. Il a tapé contre du bois. Allez, suis-moi. Qu'est-ce qui se passe? Attends, attends, j'essaie de lire le chat. C'est compliqué. Ok, très bien. Beaucoup de plaisir. Je reste là. Comment ça que je te suive? Mais non, mais faut pas se déplacer de nuit, t'es fou. Mais il va pas nous attaquer de nuit, voyons. Bah si, justement, c'est exactement ce qu'il fait. À chaque mais fois. Pas la première. T'as l'air bien sûr de toi, hein. Je vais tirer des coups de feu en l'air et on va voir s'il vient pas. Hein? Bon, j'ai pas osé. Mais j'ai failli le faire. Ça sert à quoi de retrouver les cadavres des gens? Bah c'est une bonne question, ça. Je sais pas, c'est un objectif secondaire, mais je crois pas que ce soit vraiment utile. De toute façon, ils sont toujours morts, hein. On a compris, les 4 sont morts, hein. On s'en tape. Ouais, mais il y a du loot. Ah. Ouais. Ça joue. Je vais retourner dans la petite maison qui était là-haut, moi. Ouais. Si je la retrouve. Non, je sais plus par où c'était. Ça fait peur quand même, hein. Rejoignez sa planque et cramez-la si vous pouvez. Alors, je suis pas sûr que ce soit si simple, mais on va faire ce qu'on peut. Hein. Rejoignez sa planque, ouais, effectivement, pour peut-être réussir à trouver où il se cache. Après. Ouais, je sais pas. C'est un gros schlag. C'est quoi, c'est une balle de 5,56? Allez, je prends. Faut savoir qu'on a augmenté la difficulté. Un peu plus. Ouais, parce qu'on est des gens comme ça. C'était trop facile, la game d'avant. C'était trop facile, effectivement. Oui. Bon, oh, y'a rien ici. Allez, on fait le tour. Attends, mais le cadavre était là tout à l'heure, non? Donc, ah ouais, mais là, ça a changé, sont... c'est aléatoire. Ah ouais, c'est aléatoire aussi, mais c'est fou. Et on n'arrête pas le progrès, hein. Bip boop. Chaque game est différente. C'est comme dans Left 4 Dead 2. Hein. Ah bon, sauf que Left 4 Dead 2, bah, il est sorti en 2009. Non, 2008, le premier Left 4 Dead, attends. C'est pas différent à chaque fois, Left 4 Dead, c'est... Bah, si, les... Ah, la oui. Map est la même. Oui. Voilà, je comprends. Il tape. C'est quoi ces bruits là? C'est lui qui tape. Mais c'est pas des bruits de tapement ça, c'est des bruits de... C'est... Il prépare des pièges je pense. Ah. Tu sais, c'est le bois que tu coupes. T'es futé Zeni, hein. Heureusement que t'es là pour rattraper le stream, le live. Tu remontes le niveau. Ça fait plaisir. Ouais. Donc ça avait l'air d'être dans cette direction. Donc déjà on va checker ce qu'il y a à la casse-bas. Ok, ça me plaît. Et ensuite, on va essayer de trouver son antre pour lui fumer ses grands morts. Oh, un nid d'oiseau! C'est si mignon! Moi, je resterais bien là tout le long. 6-6-7-6. Munition calibre 9 mm, très bien, ça me plaît. Allez, j'ai déverrouillé le locker! Oh, une M4! Allez! Quoi? Grosse M4! Bah, on est où oh, ici? Je vais fumer. C'est Black Ops, c'est Black Ops 5 là le jeu en fait, on me l'a pas dit. Heureusement que c'est pas Black Ops 5. Bon bah tant pis, moi je vais me contenter du 9 mm, hein. Y'a un loup. Ah, c'est là que t'as vu le code. Il vient nous voir. Y'a quoi maintenant? Ah non, il se barre. Non, il se barre, c'est bon. Et ça rentre chez toi en fait. Merde, je voulais pas... Désolé. Mais qu'est-ce que tu fous? Mais y'a un chien qui est en train de me niquer. Hé, hey, arrête maintenant, hein. Respecte-moi en tant qu'individu. Eh ben... De la bouffe pour ce soir. Oh. Ok, tu veux un bout de viande, Zeni? Ouais, vas-y, donne. Ça va bien avec les pièges. Je peux pas la manger. Bon, tiens, prends ma viande. Allez, je te donne tout. Je suis fier de toi, Zeni, t'as mérité la viande. Ok, c'est parti. On va essayer d'aller là-haut. Non mais... Hé hey. Je trouve un autre kit de soins. Allez, je m'en sers. Comme neuf. On va gagner là, je suis bon. qu'est-ce que je lis là? Tu connais l'histoire du petit poussé avec les cailloux? Les cadavres, c'est comme les cailloux. Eh, peut-être, hein. On va peut-être retrouver sa tanière si on suit les cadavres, hein, ça se tente ça. Y a rien dans le micro-ondes. Si je mets une viande au micro-ondes, peut-être qu'on peut manger un bout. Non? Non.
Ok, waouh. Non. Je suis content d'être venu, hein. Y a quoi dans les toilettes? Rien. Rien du tout. Quelques mouches. C'est dégueulasse. Où est-ce que t'es, Zeny? Ah, tu m'abandonnes donc, hein. C'est chacun pour soi, hein. Bah écoute, étant donné que tu traînes, moi je cherche, hein, je tryhard. Je suis content. Je suis content, content. Ah oh, une lanterne, je vais la prendre. Et quoi, ces bruits encore? Mais y a pas que le Bigfoot ici, c'est peuplé hein, dans les parages. Là. Ah bah après, c'est une forêt, c'est normal qu'il y ait des animaux. Un chat! Tiens, fumier! Ah non! Non, c'était un raccoon! Oh, oh Sly! Là, il a tué le raccoon. J'ai descendu Sly. T'as vraiment aucune race. Allez, c'est parti. À manger pour ce soir. Je prends la lanterne. Ah non, j'ai pas le droit de la prendre celle-là. Je comprends. C'est compliqué. La carte sur le lit, tu peux pas la prendre. Je crois pas. Hein. De toute façon, bah, y a pas de raison parce que j'ai déjà une carte. Eh, hey, hein, impressionnant. Hein. Ah, y a des noms. Ok, t'as posé une caméra. Ah, t'as ouvert la carte comment? Ah oui, M, ok, c'est bon. Oui. M, c'est ce que j'ai fait, oui. Ce qui est dommage, c'est qu'on n'ait pas une petite boussole pour s'indiquer des. Des nord, sud, ouest, est, des points cardinaux. Ce serait utile, effectivement. Ah, je suis un camp. Oh, j'ai trouvé un cadavre. Au campground. Mao. Là, on est sur la bonne voie. Je pense qu'on va gagner, là. On va gagner. Oui. Ok, ça c'est pas intéressant. The water. Ok, au moins les caméras fonctionnent. The water. Oh. Mais c'est qui ce beau gosse? Alors? Oh là 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 là. Oh la belle bête. On joue pas avec le matériel. Oh, j'ai un beau chapeau. Hein. Équipé. Hein. Bon ben, puisque c'est chacun pour soi, Zeny, je vais aller explorer une autre zone. Hein? Chercher les cadavres, on me dit. Bon, chercher les cadavres. Alors, dis donc, je fais ce que je veux. Ça sert à rien, les cadavres. Ah, ça donne du loot. Ouais, bah, comme n'importe quel endroit, hein, du loot, il y en a un peu partout. Ouais, mais on en a besoin. Vieille y a tour de chasse. Énorme rondin, là. Ok, j'ai plein de kits de soins, là, on va gagner, là. Là, on va gagner. Eh, si ça se trouve, attends, si ça se trouve, c'est ça la strat, faut se split de jour et se regrouper la nuit. Ouais, ça se tente. Comme ça, de jour, on couvre toute la forêt. Mais moi, dès que la nuit tombe, c'est moi j'annonce que je cours jusqu'à la caravane. Et je m'enferme. Bah, après, je sais pas si on va avoir le temps d'y retourner, c'est ça le problème. Je vais avoir le temps, je vais courir. Je vais courir très vite. La forêt, elle est quand même un peu grande. Quand on veut, on peut. Ouais, alors... Oui. Non! Non, il est invisible! Quoi? Le piège est invisible. Ah merde! Il y avait rien. Il semblait que je regardais par terre, il y avait que dalle, et d'un seul coup, je me prends une corde. Ok, mais il y a un genre de QTE quand tu te fais attraper, j'ai l'impression. J'ai foiré l'autre fois, mais. Oui, il y a un genre de QTE, effectivement. Les cadavres t'aideront à trouver la grotte. Et dans la grotte, il y a du loot. La grotte du Yeti. Je crois pas qu'on chasse le Yeti. Je suis pas sûr, mais. Je trouve un chalet. Ah, il y a marqué au secours. Ouais, mais le truc, c'est comment on la trouve sa grotte? Comment on réussit à le pister? Parce que là, déjà, on peut pas pister ses patounes, tu vois? Ça, c'est un problème. Bah, apparemment, les cadavres seraient la piste selon ce que disent les gens dans le chat. C'est des gens fiables. Les cadavres seraient la piste. Il faut suivre. Il faut trouver. Oh! Un fusil à pompe! Oh, bien, j'ai pas mal de munes pour ça. Ça met de bonne humeur. Ça fait plaisir. Si je le trouve, je le descends. Ça va aller très vite. Ok, on éteint. Oh, il y a un autre pistolet de détresse. Ici, comme ça, tu peux, ouais, peux le prendre. Maison. Alors, à chacun. Comment je... Là, y a rien. Ok, pardon. Les contrôles sont un peu abîmés. On a peut-être pas dû casser la fenêtre. Il va me renifler. Okay, j'ai trouvé un espèce de mini... Non, il y a encore un piège. Oui! Ah, j'ai réussi le QTE. Oh, mais t'es super loin! Mais il fait nuit là, on va mourir! La nuit tombe! Je vais me tirer. Direction la caravane, hein? Oui! Oui!
Oui, faisons-le. Ah non. Ça va bien se passer. Non, t'es sûr pour la caravane? Eh, attends, tu t'éloignes de moi si tu vas à la caravane. Rejoins-moi, rejoins-moi. Non, non, j'ai peur, je vais à la caravane, je vais à la caravane. Non, mais en fait, tu vas me laisser mourir. Zeny, tu peux gagner. Ah non, non, mais j'ai toujours cru en toi. Chance, en fait. Tu peux le faire. Je peux peut-être me cacher dans une maison, par contre. De toute façon, il pourra pas être aux deux endroits à la fois. Donc là, c'est pile ou face, Zeny. C'est chacun pour sa gueule. Et ouais, tu m'as manqué de respect tout à l'heure, Zeny, je m'en souviens encore. Maintenant, c'est l'heure de payer le prix. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Ça va bien se passer, t'inquiète. Il saura pas où aller. Du coup, il va faire des allers-retours entre nous deux toute la nuit. Et du coup, on se fera pas attaquer. Pareil, combien qu'il va m'arriver droit sur moi. Ça y est, il a déjà crié. Tu... Ah ouais? Ok. Il est déjà là. Oui, mais je l'ai entendu aussi. Donc, c'est pas. Il n'y a pas de. Il n'y a pas de localisation? Tu l'as entendu fort ou loin? Oh ouais, plutôt fort, oui. Bah moi aussi, alors je suis loin de toi, donc en fait on sait pas, on sait pas. Une indication sur sa position. Quand il avait clairement l'air de venir de par là. Genre, tu vois la carte, on s'assoit. Il avait l'air de venir vraiment du sud, son cri. Bah moi, j'avais pas de localisation, ça venait comme s'il était juste sur ma tronche. Alors, actuellement je suis dans une maison. D'accord. Dans le noir, j'ai fermé toutes les fenêtres et tout je fais pareil. Aucun bruit. Je suis dans la caravane, je suis posé, au calme. Je comprends pas, on n'a pas la position des caméras quand on les regarde, donc c'est pas clair. On comprend pas où c'est. Devant la caméra 2, j'ai mis un piège à loup avec de la viande. D'accord. Je vois pas ton piège. Norme. Il est bien caché, attends, je vais essayer de se le viser. Voilà, je suis en plein dedans là, sur la caméra 2. Ah, il est bien caché, tellement bien qu'il est inexistant. C'est quoi ce délire? La porte, il a pété la porte de la caravane. Oh, il est à la caravane. C'est une catastrophe! Ça peut faire peur. Par contre, maintenant viens. Maintenant viens! Ah, sans l'élément de surprise, on n'ose plus, hein! Ouais, je le reconnais bien là! Gros pied! Là, il est en plein sur ta tronche. Gros pied, hein! Je vais l'anéantir. Je vais le déglinguer. Il a su, il a senti que ça allait être la vengeance. Il est parti. Il a eu peur. C'est normal! Zeny, au secours, viens m'aider. Please. Please. Please, Zeny, please. Au secours. Mais je vais non. Mourir, je vais mourir, Zeny, je vais mourir. Attends, mais il va m'arriver dessus, là. Non, non, je l'ai entendu aussi, ça veut rien dire. Je crois qu'il est plutôt sur moi. Hein. J'entends le bruit de ses gros pieds. Arrière, démon! T'es sûr qu'il est sur toi? Que je t'y apprenne plus, hein! Pourquoi? Mais le jeu arrête pas de bugger! Merde! Eh, son cri, il venait encore du sud, hein. Bon, je fais n'importe quoi. Oh, il arrive! Tout va bien, Zeny. Respire! Il est sur moi! Respire! Ça y est, c'est pris le piège. Ah, chèque, qu'est-ce que tu vas faire maintenant, hein? Ah bon? Allez, je passe par la fenêtre, hein. Allez, The Bee, hein. T'es où? Il y avait une caméra près de toi, mais... Tiens, prends mon piège, prends mon piège! Chien, chien, chien! Ça va, ça se passe bien? Non, ça va, hein. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Ça a l'air de bien se passer, hein. Oh. Il fuit! Il charge! Ça va être compliqué, hein? Je crois là en toi, là. Hein. Oh là là! C'est la fuite! Ah, il est en train de m'allumer là! J'ai 31 HP. Tu peux le faire, tu peux le faire. Je me heal. Tu peux le faire. Je suis doublement heal. J'ai plus de piège. J'ai un dernier flair.
Je crois que tu l'as calmé, hein. Mais il va peut-être revenir vers moi maintenant. Ça me plaît moyen, moyen. Bon. Ça se passe bien. C'est une chasse rondement menée par des professionnels, hein, dont je suis le leader incontesté. J'essaie de refaire marcher le drone. Ah non, j'ai planté mon couteau de boucher dans le dos. C'est quoi ce bruit? Ah oui, je l'ai vu courir avec un couteau dans l'épaule. Hein. Ouais, bah c'est le mien, voilà. Okay. Je vais laisser un souvenir. Ça lui apprendra là, à venir me saouler. Je savais que j'avais bien choisi mon équipe. Dont je suis le leader. Équipe, ton équipe, ton équipier. Oui. Oui. Mais toi et moi, on est une équipe. On est deux. Il y a le chef. Et il y a l'autre. Et ça se passe bien. D'accord. Je vais écouter une petite émission de radio. Ça marche pas. Bon, bah Zeni, je vais venir te voir. Hein. Par contre, la caravane n'est plus un lieu sécurisé. Hein. La porte a été dégondée. Ok. Mais c'est pas grave. Hein. Je vais me trouver une autre maison pour me cacher la nuit prochaine. Alors moi, je cherche un code parce qu'il y avait un coffre dans les maisons. Ah, cette maison était complètement barricadée. Merde. Ah non, hein. Merde, ça c'est pas cool. Ça, c'est... Là, ça vient du milieu de map. Ouais, et puis c'est là où je suis, le milieu de map. Et il fait jour, hein, faut aller se coucher maintenant, hein. Caisse en jerrycan. Ah, 2633, ça y est, j'ai trouvé le code. Tant mieux, hein. Où est le coffre? Courons. Attire-le avec la radio. Non. C'est non. Ah oui, c'est là où il m'a attaqué. Ok. 2, 6, 3. T'es plus un stagiaire. Ok, d'accord. D'accord, Marty. Oh ok, j'ai l'AVM. En fait, ils avaient pas les sous. À la base, c'est un AWM, ils l'ont appelé AVM. Ah merde. C'était pas long d'appeler ça un AVM, là. J'ai trouvé une trousse de soins en plus. Si tu veux, je peux te soigner. Parce que t'as été héroïque, je suis relativement fier de toi. Tu es un bon élève chasseur. Élève chasseur? Oui. Moi, je t'ai pas tout appris. Non. Non. D'accord. Non. C'est non. Très bien. Zeni, tu t'éloignes de moi. Et je comprends bien que c'est volontaire. Je vois bien qu'il y a un truc qui est brisé entre nous depuis que j'ai couru à la caravane. T'es plus comme avant, Zeni. Bah, tu m'as un peu trahi et laissé mourir, hein. Alors, personne n'est mort, donc je suis pas d'accord avec ses propos. Ouais, mais j'ai bien failli crever, j'étais à 30 HP, hein. Je vais venir te soigner. J'arrive. Bah là, ça sert à rien, je suis à 101, ça me ferait monter à 115. Ce serait du gâchis. Ouais, mais je vais te donner des kits de soins, t'en as combien? J'en ai deux. Ok, je vais t'en donner un. Parce que tu l'as mérité. Très bien. J'apprécie. Ah ! Quoi ? Climat ! Prends sa fumier ! Victoire ! Moi aussi, je peux faire des trucs. Ah ! Un ours ! Pourriture ! C'est peut-être pas une bonne idée, ça. Ça va, le pathfinding a un peu de mal à fonctionner. Ça m'arrange. Où est l'ours? Retourne d'où tu viens. Je me suis fait respecter. Moi aussi j'avais besoin d'un peu de combat là, un peu d'adrénaline. Excellent. Bon, bah je vais peut-être pas te donner de kit parce que j'en ai besoin. Ah bah bravo. Hop là, comme neuf hein. Réparé. Tout beau. L'ours m'a juste ignoré. Oui, bah écoute. Faut qu'on trouve l'antre de la bête. Ok. Bah faut trouver les cadavres alors. Hein. Oui. Je compte sur ton flair. Et là on en a trouvé qu'un seul pour l'instant, c'est pas terrible. Hein. J'ai une batterie de voiture. Ah, j'ai un jerrycan. On peut faire un mélange. Je pense qu'on peut lui mettre la douille.
Faisons comme ça. Mais bon, encore une fois, son gros cri, il a vraiment pas l'air de nous indiquer un endroit en particulier. C'est juste le cri du « Bonjour, je viens de spawn ». Ouais, bah ouais, c'est pas clair. Est-ce que t'as les cartouches de fusil à pompe? Oui. Tu as un fusil à pompe? Non. Bah je veux bien les cartouches, camarade. Bah oui. Ouais, il me dit oui en s'éloignant. Loin de moi. Oh, je vais te faire du stuff. Fais tourner, Zeni. Prendre tes balles. 12 gauge, 42. Ah ouais? Ouais, je suis comme ça, moi. T'as pas chômé, hein, dis donc. Ah bah écoute, hein, y en a qui bossent. Et puis y en a qui regardent les caméras dans le van. Y en a deux. Y en a deux qui bossent. Au moins, hein. Ouais, ouais. Allez, viens, on va explorer. Faut trouver sa planque et mettre une caméra. Comme ça, vous savez quand le champ est libre. Alors ouais, mais il faut la trouver. Ouais. Et donc sa planque, je suppose que ça doit être sur les bordures de map, puisque ça doit être dans une grotte. C'est une théorie. Encore une fois, faut-il la trouver? Après la question, c'est est-ce que sa planque est générée aléatoirement? Bon bah je suppose que oui. Hein. Ce serait pas étonnant. Ah, oh, attention, merde. QTE. Ah, je peux rien y faire. Non, laisse tomber, hein, c'est... Ça va, chef? Bon, bah, je me heal, hein. Allez. Ah là, 108. Ça va. Ça repart. J'avoue, t'as loupé le QTE. Oui. C'est marrant. C'est rigolo. Ah, y'a un code 9352. On peut pas savoir. Tiens, bah, c'est là que t'es mort tout à l'heure. Je suis jamais mort, hein. Je crois pas que je sois mort dans... Non, il me semble pas, hein. 9352, je pense savoir où c'est pour la petite hutte là. Les tipis? Non, c'était la casse-bas des rochers. Si. Ah, il y a plus ou moins une localisation des sons aussi, j'ai l'impression, mais elle est bizarre. Elle est très approximative, mais il avait l'air d'être sur notre gauche là. Eh, il avait pas l'air loin. Hein. Au nord-est? Qu'est-ce qu'au nord-est? La planque, ouais, du Bigfoot? Non, mais effectivement, hein, en termes de son, ça a l'air d'être là. Mm-hmm. Est-ce que je peux retrouver la casse-bat tout à l'heure? Ça peut faire peur, hein. C'est quoi? Je vais foutre une caméra, je vais mettre un piège et je vais mettre de la viande. Faisons-le. Est-ce que les pièges lui font perdre de la vie? J'ai jamais fait gaffe. Ou est-ce que ça le stun juste? Ah, j'ai juste l'impression que ça le stun. La vie du Bigfoot augmente-t-elle avec le temps qui passe sans le toucher? Bah on dirait, ouais, mais je pense qu'il mange des animaux. Là, faut peut-être qu'on descende tous les animaux sur notre chemin, comme ça il peut pas les manger. Ok, elle est là, la casse-bas. Donc 9352, j'espère que c'est bon. Quand ça fait nuit, là il y a un loup. Je vais mettre une grosse... J'ai trouvé le campement de l'homme perdu et quelques cartouches en plus. Allez, tain, ça a l'air de faire très mal, hein. Je crois que j'ai un gros sniper. Ok. Bonne nouvelle. J'ai des munitions pour ton fusil d'assaut, si tu veux. Quelques balles. Ça met bien, ça. On va passer un bon moment. Oh. Il entre. Ok. Ah, la lanterne, je la prends. Ça peut servir. Ok, j'ai beaucoup de munitions, hein. Il y a une caméra de vision nocturne. Des munes. Il y a déjà une, mais j'ai pas de pile. Ah, c'est si, j'ai des piles. 3. Oh merde, qu'est-ce qu'on fait? Je te rejoins à la maison là, hein? Ouais. Ok, ouais, non, va falloir que tu. Oui. Réussisses à stun le Bigfoot avec tes flare guns et autres machins. Que je le repousse? Ouais, on évite le combat? Ah oui, non, bah non, je vais l'allumer, mais c'est juste que je dois lui mettre une énorme DPS pour qu'il fuit, en fait. Bah, le flare gun a l'air de le faire fuir par défaut. Oui, mais n'empêche, pendant qu'il fuit, là je lui arrose le dos pour qu'il reste tranquille le reste de la nuit. Tout à fait. Et puis de toute façon, il faut bien qu'on le tue à petit feu parce qu'il se régène. Après, du coup, sa vie max baisse, hein. J'ai l'impression, tu vois, il y a la barre qui est grisée. Oui, il y a la barre qui est noire, du coup.
Donc ça va. Il peut pas se régène à l'infini, ah, donc on peut l'avoir à l'usure. Oh, des photos. J'ai mis de la viande. Très joli. Bon. On a des caméras pas loin, bah c'est bien, on va pouvoir savoir. Hein. Oh. Celle-là, c'est la plus proche de nous. Ok. Celle-là, elle est pas loin, mais un peu plus loin. Ah bah tu sais quoi, attends. Je pense qu'il est pas loin là. Ouais, je pense qu'il est pas loin. J'ai des explosifs. Ok. Attends. Il arrive là, non? Non. Probable. Attends, je vais mettre ma batterie de voiture carrément. On va faire un cocktail. Ah ouais, vas-y. Derrière. Là, c'est un cocktail. Ah mais merde! Non, le putain! Mais non, le barbac! Je me suis piqué! Là là. Amateur! Ça va! J'ai mis le pied dedans, c'était pour tester. J'ai fait exprès, hein, c'est pour voir ce que les possibilités du jeu. Vite, je vais me cacher dans la maison. Tout va bien se passer. Tout va bien se passer. Tu vois, dans le chat, ils le disent, ils ont tous vu que je l'ai fait exprès, c'était un test. Que... Ah, ça tourne mal, ça passe de côté. Ça tourne mal. Je me mets dans le piège. Ça va, il a fait un mur. Qu'est-ce que... Il est dans le piège. Je l'allume! Dépouille-le, Zeni! Fuis! Alors, t'as peur, hein? Bourre-le! Il fuit pas? Ça y est, fuis! Si, ok, victoire! Faut revenir se cacher! Attends, j'ai une ligne. Bon, ouais, attends, je vais lui en mettre aussi alors, hein! Tiens, non, voilà, tiens, c'est pour toi ça, en plein dedans! Attends, c'est moi ou. Ok, mec. On va faire un truc. Il veut le match retour. Et tu m'as donné le fusil d'assaut? Ouais, prends le fusil d'assaut, ça va être plus efficace. Moi j'ai le gros snipe. D'accord. T'insinues que je sais pas me servir d'un fusil de sniper. Ouais. Ok, j'ai mis un pied juste devant moi. Non, mais ça, ta DP c'est trop lente. Il est là. On va gagner. Flare gun, maintenant. C'est gagné. Merde, j'ai loupé. Ça va, j'ai encore des boules. Tiens, voilà! Mais ça le fait pas fuir! Ah ouais, mais il s'en fout! Mais tire-toi, fumier! Voilà, il rentre chez lui! Ordure! Je le vois plus. En plein dedans! Il tire sur la pierre, non, c'est faux! Il revient! Quoi, mais. C'est bon, je l'ai aveuglé! Il est sur moi là! Non, ça y est, fuis! Ok, bien joué! Bien joué, Zeni! J'ai plus rien pour l'aveugler! J'ai une fusée de détresse, mais ça a l'air de marcher moyen. Hein. Mais bordel, il nous l'a jamais. Il y a un ours pas loin. Il peut peut-être nous défendre. C'est un gentil ours. Mais non, il va revenir. Dans la maison, vite. Il y a des barils non, rouges. C'est mort. Ça sert à rien. Non, ils sont pas explosifs à mon avis. J'ai plus rien, moi. Okay, petite lanterne, hein, pour la protection. Mais qu'est-ce qu'il me veut lui? Il revient. Il y a un ours sur ma gueule. J'ai rien contre le Bigfoot. Quelle pourriture, cette saleté. Fais gaffe, il t'arrive dessus, il est à la porte. Tu crois? Il a cassé la lumière. Non. T'as intérêt à l'aveugler direct. Il me lance la porte. Ça va bien se passer. Alors, comment je m'appelle? Dis mon nom. Ouais, dis mon nom sur le départ, hein. Allez, parle-en à tes potes, ordure. C'est comme ça que ça se passe quand on manque de respect. Dans ma cabane, mon cabanon, mon chalet. Bip bip. Il revient. Secours. Il passe à travers le mur. Il a des super pouvoirs. Mais merde. Ça tourne mal. Il se déplace de plus en plus vite. Je vais mourir bientôt d'un décès. Ah, au secours, Zeni. Il a une guitare. Quoi? C'est un artiste. Et on l'a bien déglingué, hein. T'as combien de vie? Suffisamment. 80. Ok, très bien. Bon. C'est bon, on a fait gagner. Mes balles de snipe lui font que... Putain, il va encore venir, là, sérieusement, okay. Il a pas eu son compte. Hein. Le nounours. Il est décédé en faisant un dab. Non, ça y est, le jour revient. Oh, stylé le nounours. Okay. Bon, bah voilà, encore une belle victoire pour les chasseurs.
pour les professionnels que nous sommes. Mes mains sont moites. Très bien. Oui, tout à fait. Il a cassé mon piège, j'ai plus de piège. Il faut absolument qu'on se déplace maintenant et qu'on aille looter le reste de la map. Ok. Ok, je peux le faire. Ah, on a plus de piège du tout là. Ah ouais, donc ça va là, compliquer. Et je n'ai rien pour faire fuir la bête non plus. Moi, il me reste une fusée. Ah bah ouais, donc ça craint. On est sur la bonne voie. Ah non, s'il se régène à fond en plus là, on aura accompli rien. Il s'est pas beaucoup régène au dernier round. Ouais, mais si on prend du temps là, il va peut-être se régène beaucoup parce que là on a plus rien pour le stun. Ça va se compliquer sur les prochaines nuits. Hein. Je crois qu'il va revenir. Ça a l'air d'être encore au nord. On dirait que ça vient tout le temps du mid. Ah ouais, ouais, t'as raison. Ouais. Qu'importe où on est, ça vient du mid. Ça se trouve, il est pile au milieu. Quoi. Ça tanière. Ça se tient, il y a une petite route qui va jusqu'au milieu. Tiens, je te donne des balles de pompe si je les trouve. Flare gun boulette, tiens, cadeau. Ah merci. Bah voilà, c'est cool ça. Tiens. Mets-toi bien. Ok. On rush. Let's go. Tout à l'heure, quelqu'un demandait si Bigfoot aimait la guitare. Je crois que la question a été répondue. Bah ouais, c'est bien. Il est équipé, hein. Il nous a pas joué un petit air, il nous a juste tapé dessus avec, c'est pas très gentil. Ouais, bah. Je pense que c'était un rigodon plus que suffisant, hein. Tiens, il y a des balles de 5,56 au niveau de la cabane. Par contre, il n'y a pas de cadavre, il n'y a rien. Beaucoup de plaisir. Ok, je suis bien là. Je suis bien. Oh, il y a même une banane. C'est super. Ok, quelques lanternes. Ok, on arrive au camp amérindien. Là. On est en train de performer. Franchement, je suis pas peu fier. Bah là, on est efficace là. Hein. Par contre, faut qu'on trouve des trucs qui pètent. Ouais. Des trucs qui pètent. Ah bah voilà, un truc qui pète. J'ai trouvé un truc qui pète. Cool. Il y a une note là. Peter, je sais pas où tu es. Je vous ai cherché toute la journée. Je ne trouve Monica nulle part. Retrouvez-moi aux tentes. Elle est morte. Ce soir, mais on est aux tentes. Ok, j'ai une hache, des balles de 62. J'ai une caméra de batterie nocturne, c'était l'inverse mais on a compris. Une caméra de batterie nocturne. Tout va bien, tout va bien. Oh, des restes humains. Je les ai déjà vus quelque part, ceux-là. D'accord. Pas de physique. La flemme, je comprends. Ok. On y retourne. Est-ce qu'il y a des zones où on n'est jamais allé? Non, à ce stade, on a vu toute la map, hein. Si, on va aller au mid, là. On va Vers le milieu, là-bas, on n'a pas vu, effectivement. Il y a un petit lac. Tour à gauche. Ouais, il y a un petit lac aussi, effectivement. Bon, à mon avis, aller dans l'eau, c'est une mauvaise idée, parce que lui doit se déplacer tranquille, mais nous, non. Salut, Big Sam, bienvenue. Flare gun. L'ambiance et les bruits, ça rappelle beaucoup Predator. C'est vrai que c'est un peu le concept, hein. C'est l'idée, ouais. Tout ce qu'on se prend sur la tronche, là... Avec des plus gros pieds, hein, quand même. Ouais, c'est vrai. Gros peton. Est-ce qu'il y a un truc sur la colline? Moi, je dis... Enfin, il y a plus ou moins deux chemins, là. Moi, je vais voir ce qu'il y a en haut de la colline, là. Mais... Ouais, c'est une bonne idée. Ouais, allez, on va faire ça. Après, il faudra aller voir au niveau du petit lac, là. J'ai une autre munition de flare gun que je pourrais te filer. Ok, le petit lac. Bah, attends, moi, je vais essayer d'y aller tout de suite, du coup. Mais tu vois, genre le centre pile de la map entre par exemple l'icône de maison et l'icône de caravane, il y a vraiment rien. Et je pense qu'il doit être là quelque part. Oui, oui, du coup, ça serait assez logique. C'est écrit. Ça se tiendrait, ouais. Ah, il y a une maison là-bas. Ok, au niveau du lac, j'ai trouvé des maisons. Il chausse au moins du 50. Sûrement, ouais. Salut Grisou, bienvenue. Bienvenue dans le chat sur twitch.org. Écran bleu. Fusée de détresse, ok, on a pas mal de fusées de détresse là, ça va. Bon, je pense qu'on va trouver des trucs dans le village, c'est parti. Dans le village? Il y a un village? Il y a un village au niveau du lac. Ah. Eh bien, allons-y. Aïe, ça va, les dégâts de chute sont raisonnables. Ah, yes, bouteille de gaz. Le Yeti est souvent présent près d'une source d'eau. Je sais pas s'il y a un Yeti, mais nous on cherche gros pied, hein. Le Bigfoot.
Yes, j'ai gros un péton. Machin pour lui faire peur. Ah mais oui, on Tree est déjà... House. Il y a une maison dans le dans un arbre qu'on a toujours pas trouvé. Comment tu sais qu'elle existe alors? Ouais, j'ai un téléphone qui sonne tout seul. Mais tais-toi. Oui, il me l'a fait tout à l'heure, ça faisait un bruit de radio réveil, j'ai légèrement paniqué. J'ai eu un bref instant de panique. Mais c'était très bref. Hein. Ah mais on est déjà venu ici. Bon bah là on a fait le tour. Oh. Alors non, il manque une maison dans les arbres qu'on n'aurait pas trouvé pour l'instant. Comment tu sais qu'elle existe? Ah oui, tu l'as lu dans une note? Ouais, et surtout, regarde là où je vais sur la map, si tu suis la petite route à l'est, il y a peut-être quelque chose. Ouais. Mission de pompe, là. Bon, là, ça veut rien dire. La petite route à l'est? What? Eh bien, faisons comme ça, hein. Sinon, on peut peut-être se battre dans le village, il y a de quoi faire. Avec toutes oh, les maisons, pompe. Si on court okay, dans tous les sens. C'est bien, on dirait que tu peux porter des trucs presque à l'infini. 56, ok, ça fait plaise. Ah, une clé à pipe. Une note. D'accord, je vais lui mettre des grands coups à la Bioshock, paf. Ah, viens, 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 il y a un fuel canister là où je suis. J'arrive, camarade. Chaque chose en son temps. Alors? La panique. Oh, il a entendu. Alors discrétion. Là, ça a l'air de venir du nord. Hein. Discrétion. Oh, un Glock. Un pistol gun. Ça pourra servir si j'ai besoin de me suicider. J'ai pas trouvé d'autres flare guns. C'est un petit peu triste. Un petit peu déçu, j'avoue. Est-ce qu'on a le point de vue de Zenny? Non, il n'y a pas le point de vue de Zenny. Il y a une batte de baseball, là. Okay, vous en faites pas, mon point de vue c'est le meilleur, c'est celui où il y a le plus de skills, d'accord? Ouais. Merde, je croyais que je m'étais mute sur Discord. Désolé. Aïe aïe aïe. Je m'ai trompé. Non, mais ça fera toujours mal. Oh, hey, j'ai trouvé une arme! Ouais. Y a eu un bruit au niveau d'une caméra? La caméra du van. Ah ouais? Oh ah oui, il est là, il est là. Il vient vers nous, hein. Il vient doucement vers nous. Il va à droite du van. Non. À droite du van, c'est vers nous, non? Si, c'est plus non, moins vers Non, il va nous. Vers le centre de la map. Il va vers le... Attends. Il va vite fait vers nous. Ouais, plus ou moins vers nous, ouais, mais plus vers le centre, effectivement. Ça promet, okay, quand même, c'est hein. C'est bon à savoir. Parce que là, il va faire nuit dans quelques secondes, là. Oh, punaise, il va déjà faire nuit. Faudrait qu'on aille faire pipi, au bout de la petite... Va chercher l'explosif dans une des baraques. C'est ouais. Important. Bah oui, mais quelle baraque? Je crois que c'est une qui est au milieu. J'ai pas l'info. Oh putain, les arbres ils font du bruit. Ça va mal tourner, Zenny. Je suis à la waterfall. Ok. La chute d'eau? Ouais. C'est comme ça qu'on dit en français. Eh, hey, j'ai trouvé un bidon de carburant. Ah, c'est de ça que tu me parlais? Ouais, c'est exactement ça. Bon, y'a rien à la waterfall. Je reviens. Ok, là il fait officiellement. Aïe, aïe, aïe. Bon, alors là, c'est le moment où on va se battre, hein. On peut le faire. On va mettre tous les explosifs et on va lui allumer ses grands morts. Peter, je vais à ce piège avec Ruby. Il faut absolument qu'on survive à cette nuit. Faites attention. Pour pouvoir le traquer dans son antre à la prochaine. Tu veux que la prochaine nuit on aille se battre? Non, je la prochaine journée. Ah mec, j'ai trouvé une fusée à main là. Bah oui, mais attends, j'ai pas de piège. Pas grave ça. C'est quoi le calibre de ton fusil, le sniper, là? Viens mettre tes explosifs. J'ai plein de balles, j'en ai pas besoin. D'accord. Attends. Ok, mets tes explos, oui. Et quand il passe là, on l'allume. Ah oui, on a pas de piège. Bah faut le bait, ouais, faut le bait à l'ancienne. On peut mettre un bout de viande, non? Mais la viande sert à rien, à chaque fois il vient nous péter notre gueule au lieu d'aller vers la viande. Ouais, non mais ils s'en foutent de la viande. Attends, j'avais une idée en tête là, je l'ai oublié. Ah oui, tiens, bouge pas. Je vais te donner la fusée à main là, parce que vu que c'est toi qui t'en servais jusque là, je te la donne, voilà. Oui, le signal, ouais. Il a été repéré sur une caméra. De l'attente. Il est plutôt loin, hein, pour l'instant. Ouais, mais t'inquiète. Il est là-bas. Ok, il court, mais je vois pas dans quelle direction du coup. Bah, sûrement vers nous, de toute façon. Hein. Attends, je me mets dans une baraque, tu te mets dans une baraque, et on fuira par une des fenêtres quand il commencera à attaquer. Faisons comme ça. Un projet prometteur. Moi je ferme les lumières et j'existe plus. Hein. On se connaît plus, Zenny. Hein. Chacun pour soi. Hein. Maintenant on fait le silence.
Ça y est. Je l'ai vu, il arrive. Sur moi. Il est sur toi. Fumier. Je viens de passer par la fenêtre. Il a pas réussi, mais il a fait le tour, il court vers toi encore. J'arrive. Tire, tire, tire. Ah merde, non. J'ai pas vu ce que tu faisais, Zeni, j'ai raté. Cours. Ah, je suis down, il va me bolos. Il me bolos. Endure. Retourne chez toi maintenant. Oh là là, quel fumier. Tiens. Mais quoi, mais il meurt jamais. Au secours. Ok, je me suis soigné, je suis content. Il est où? Il fuit. Pour l'instant. Est-ce que t'as encore de quoi te soigner, toi? Ouais. Très bien. Moi non. Moi j'ai plus rien, mais j'ai 70 points de vie. Ça fait plaisir, hein. Il revient. Je prends la fusée à main. Ah, il est à la caravane cette fois. Ok. Il vient de reprendre de la vie d'ailleurs, comment il s'est-il? Il m'a peut-être croqué un bout du bras, hein. Ouais, ça fait sens. Probable, hein. Bon, je vais lire les notes en attendant. Peter, je ne te trouve nulle part. J'ai trouvé le journal de Ruby. Je l'ai lu, mais je ne l'ai pas pris. Je te le dirai ce soir. Retrouve-moi près de la cascade. T'aurais pas trouvé le cadavre de Monica au niveau de la cascade, des fois? Non, justement. Qui on a retrouvé comme cadavre? On sait même pas, en fait. Oh, oh. Il est arrivé droit devant, là. Ça tourne mal. J'ai plus que deux chargeurs pour mon fusil d'assaut. Mais après, pour les autres armes, j'ai ce qu'il faut. Hein. Discrétion. Ça va très bien se passer. On l'attend, ce gros fils du chien. Ton langage, Zeni. On le bute, on le fume, on l'éclate. On respecte l'adversaire. On fait preuve de politesse. Bonsoir les gens qui arrivent dans le chat. Bienvenue. Sur Bigfoot ASMR. Exactement. Aujourd'hui on chasse le gros pied, aussi appelé gros peton. On prépare un piège. On n'a plus de piège. C'est vrai, j'ai fait foirer le piège. En tirant trop tard. J'ai contre-performé sur le piège. C'est vrai que je suis pas fier. Hein. Je crois qu'on l'a mis assez low. Tu regardes les cams ou pas? Non, je vais la regarder, oui, vu que ça sert à rien qu'on guette tous les deux. Il y a une cam qui est orange sur la carte. Ouais. Mais je sais pas ce que ça indique, parce que on peut pas savoir laquelle c'est en plus. Mais normalement, ça devrait être la deuxième vue. Attends, je me dis que. Ça m'étonne qu'il n'y ait pas un moyen de... Ouais non, ils indiquent pas le numéro. Ah si, si, ils indiquent le numéro. Bah, les 2 et 3 sont orange, mais oui, je comprends pas ce que ça... Parce qu'elles ont rien de spécial. Quoi ? C'est quoi ces bruits-là ? Tu entends ? J'ai juste entendu un oiseau. Mais... Ah non. Ah donc c'était sur la caméra 3. J'ai entendu les bruits de... que quand il a l'air de... Ce qui a l'air d'être quand il fabrique les pièges. Sur la caméra 3, donc ça veut peut-être genre dire qu'il est loin. Genre quand il tape dans du bois. Ouais, ouais, c'est ça, je l'ai entendu dans la 3. Ah, il viendra pas, regarde ça quand ça se levait là. C'est bon, putain, on s'est fait respecter, il est venu qu'une fois. Oh. Il revient. Mais non. Peut-être. Possible, bah il... Je suis dans sa direction, j'aimerais le voir. Ouais, bah calme-toi, hein. Ouais, je vois rien. Ouais, je vois rien non plus. Mais ça vient encore du centre, ok. Je crois qu'on a tout looté à peu près de la map. On a fait un grand tour. Mm-hmm. On trouvera pas plus. Là, faut aller le chercher et lui fumer ses grands morts. Hein. Si on trouve plus de soins, ça va être dur. Hein. Je suis full life, mais derrière, c'est fini. J'ai plus rien. Ouais, puis j'ai pas de piège, mais c'est... bon. Que veux-tu que je te dise? Ce sont les risques du métier. À travers la cascade, il y a peut-être un passage. C'est une théorie. C'est vrai que c'est pas bête. Remonter la rivière pour trouver sa grotte. Cascade. Ouais, de toute façon, il est censé y avoir un cadavre au niveau de la cascade. Mais tu t'as dit que tu avais rien vu tout à l'heure, non? Ouais, j'ai rien vu, mais je suis pas passé au travers de la cascade. Ah oui, il y a peut-être vraiment quelque chose, hein, ça vaut le coup d'essayer. C'est une théorie. Bonsoir les gens qui arrivent dans le chat, bienvenue. C'est un grand classique des jeux, le trou dans la cascade.
effectivement. Je me suis perdu là. Non, je vois rien. Hein. Pourtant, il y a quand même. On l'a repéré. Caméra 2. C'est bien, c'est bon de nous. Oh, il a bouffé mon piège, ça y est, il a mordu à l'hameçon. Hein? Yes! Allez! Il a mangé ma viande, il a pris tarif. Allez, grand regarde seul. La caméra. Allez! Fuis! Bah, ça lui fuis. A mis. Ça met genre 10-20 points de vie, du coup, on dirait le piège. Hein. Ouais, non, mais... Ah, il se venge en fabriquant un piège lui aussi. Tu l'as inspiré. Non, mais attends. Comment c'est possible qu'il y ait un bruit pareil qui soit aussi proche? Salut King Raf, bienvenue! On est en train de chasser le Bigfoot, c'est super! C'est des bons moments hein, entre amis qu'on partage. Beaucoup de plaisir. Beaucoup de fun. Ça sent le piège pas loin. Hein. Salut Léonard! Bienvenue. Un beau pseudo ça. Hein. Ça, ça me plaît. Du coup, c'était quoi le plan, Zeny? On va aller au mid. Là, au milieu de la map. Faire un petit tour, mais on essaie de trouver sa tanière alors. Hein. Ouais. Mais là, encore une fois, on entend des gros bruits dans le bois, semble-t-il, et rien. Genre, on voit rien ni personne. Attends, il y a quelque chose ici. Non, mais ça se tient, il y a vraiment une grosse zone vide, comme tu dis, au milieu de la map, c'est bizarre. Park entrance, et il n'y a pas de loot. Si, il y a des balles de 5,56, vite fait. Ok, ça joue bien. Plus. Alors, de l'eau, ah, c'est t'es joli. Pas avec moi. Ah, repéré, ah. Caméra 2. Encore repéré là-bas. Ah, il y a plus de caméra. Ah, il a pété. Il a tapé la caméra. Ah oui, c'est un rageux, hein. Il est frustré. Hein. C'est bien, ouais, ça veut dire qu'on est en train de gagner la guerre psychologique. On va triompher. Tu sais qu'on a encore plein de choses pour le faire fuir, en plus. C'est vrai, ça. Donc on peut tenir. Mais ce serait bien qu'on retrouve du loot. Je suis au milieu, hein. Je suis en plein milieu de la map. Okay. Effectivement, on dirait bien qu'il pourrait y avoir une tanière quelque part. Hein. Ce serait pas étonnant. Vous levez les yeux aussi pour essayer de trouver la cabane dans les arbres là dont tu me parlais là. Ouais. Parce que c'est vrai qu'il y avait ça en plus. Ce serait bien ici aussi ça. Van. Mais il y a des grosses roches, hein. Il pourrait facilement y avoir une grotte et pain. Ouais. Tiens non, c'est quoi ça? Parce qu'il a l'air de camper en plus dans cette zone assez souvent. J'ai trouvé. J'ai trouvé genre carrément quoi. Oh yes, j'arrive. Il y est pas de toute façon, on l'a vu ailleurs. Hein. Ça on n'en sait rien. Par contre j'ai un drone mais je peux pas le contrôler. C'est la grotte du cristal. Ah oui c'est sa tanière, ça c'est sûr. Hein. Il y a du loot. Quel genre de loot? Non, il y a de la merde, putain, quoi. 6 cartouches de calibre 12, c'est tout? Il y a rien d'autre, il y a que des cadavres, plein de morts. Enfin, c'est notre destin, on est les prochains. Il y a des boîtes de burgers. Mais les gens sont des gros dégueulasses. Ils sont venus manger un burger dans la caverne pour se faire bouffer par le Bigfoot après. Et la chaîne alimentaire. Ouais. Le burger est en dessous de nous. C'est bien, ça. Salut, docteur Kawet. Bienvenue. Alors j'essaie de trouver par où t'es passé, hein, mais pour l'instant, à part suivre des grandes falaises... Non, mais viens exactement où je suis et tu vas me trouver, hein, la grotte elle est... Ouais, mais je peux pas justement parce qu'il y a une falaise en fait. Ah merde. Je peux pas arriver du bon côté. Non mais t'as rien perdu, il y a rien. Très bien. Il y a rien d'utile. C'est si on veut se battre contre lui et le fumer, alors par contre ce qui est vraiment bizarre c'est qu'on a quasiment pas trouvé de cadavre. Ouais, par contre, hein. Bah il devrait y en avoir un à le... À la cascade en plus, hein, si les notes ont un intérêt, j'imagine que les notes ont un intérêt. Et là, on en a trouvé qu'un seul. Donc, à mon avis, il va falloir faire une grosse guerre. Très on grosse guerre. Et la ville, enfin le village où on était juste avant, il avait l'air pas mal hein, finalement. Parce qu'on peut passer par les fenêtres, parce qu'il y a plusieurs ouais, maisons. C'est facile d'éviter de prendre des coups. Ouais. C'est pas mal. Parce que, visiblement, si on lui ferme la porte au nez, il est obligé de casser la porte. Ouais, ça prend du temps. Bah va falloir survivre hein, dans le village, ouais. Après la cabane dans les bois, si elle existe, c'est sûrement un bon endroit. Hein. Faudrait la trouver, putain. Si c'est en hauteur. Par contre, il y a un truc. C'est le moment que le chat triche et nous trouve la position de la cabane dans les bois, je suis si sûr tu regardes que le chat en est capable. Au sud, on n'a pas beaucoup d'icônes au sud. Ouais, ah oui, bah oui, ça y est très probablement, ouais. Par contre, je vois une voiture de police. Ouch!
Je me suis viandé. Oh. C'est dur. Y a rien, y a rien ici. Ah, y a... On fait quoi? On va au sud? Elle est dans la map. Qu'est-ce qu'il me dit, le colonel? Va au sud, j'arrive. J'arrive. Ah ouais, mais non, elle est pas dans la map, on l'a jamais trouvé le... Alors, dis donc... J'ai vu une voiture de police, je me demande s'il y aurait pas des armes ou quelque chose. Non, y'a rien. Ouais, super, beaucoup de plaisir. On est pas aux États-Unis. Si. Y'a un Glock. Glock. C'est pas très fort, un Glock. Ça fait pas rêver, mais y'a aussi quelques munitions, donc je suis content d'être venu. Saleté. Bon bah Zeni, on va vers le sud hein. Il a peut-être plusieurs tanières le Yeti. C'est pas un Yeti. Tu le fais exprès hein, Furious Jumper. Ça fait 5 fois qu'il nous parle de Yeti. C'est un gros pied, un Bigfoot. Il a une grosse pointure. Mais oui, il a peut-être plusieurs tanières. Bon, je pense pas en fait hein. Parce que du coup, effectivement, le fait qu'on l'entende toujours au plein milieu de la map, il fait qu'on trouve une grotte, hein, c'est sûr hein, c'est... Son unique tanière. Bigfoot. Bon, il fait bientôt nuit là, j'ai pas des visions. Hein. Du coup, pour le coup du village, c'est annulé, parce que là, on va vers le sud. Mais c'est pas grave, faut qu'on se trouve un point où se cacher, et qu'on le repousse avec nos fusées de détresse. Hein. Et une grosse DPS. Oui. Mais oui, là, il y a peut-être un truc au bout du chemin, là, sur la map. Il y a un petit chemin qui va sur rien. Ouais, j'y vais, là, droit. Ah, oh, il y a un panneau d'affichage, là où je suis. Ah bah tiens, bonjour. Bonjour, bienvenue. Ah, il y a un panneau qui indique qu'il y a des... Wow. Des Bigfoot. Oh, aïe, ok. Aïe. Ah oui, non, c'est ça qu'il y a au bout du chemin? Rien du tout. Un grand arbre, ok. Un grand arbre, ok. Donc c'est de la daube. Ah, y'a un piège! J'ai. Ah, ça c'est cool. Avec ça on gagne du temps. Bon, par contre, on a zéro bâtiment là, ça craint. Ouais, faut vite qu'on aille en trouver un. Juste en haut, non? Y'a quelque chose là-bas? Attends, non, c'est pourri ça. Oh, c'est une tour de garde. Oh, c'est de la merde les tours de garde. Ouais. Ouais, non, là on va être dans la merde, mais faut qu'on court, hein. Faut qu'on trouve quelque chose. C'est quoi la maison qui est juste au-dessus de nous sur la carte là? Tu sais ce que c'est? Oui, celle au nord juste. Attends, il y a un truc qui fait de la lumière en hauteur, c'est quoi ça? Ouais. Vite, Zeni, faut y aller maintenant à la maison hein! Ouais. Par contre, il y avait une sorte de. Comment dire? C'est merdique comme situation. Là, là le rondin, je suis bien d'accord. Le rondin à gauche, je suis le rondin, rombin. Ah oui. Le rumba. Le Roomba, j'arrive pas à monter, Zeni! Laisse-moi derrière, c'est pas grave! Ah, mais reviens vite! J'ai peur! Ta fusée, si jamais il nous rush, n'hésite pas à la balancer dans le ciel. Dans le ciel? Pour qu'on y voit? Ça y est, il y a une maison là. Voilà, bah c'est bien, help! Vas-y, je me mets au chiottes moi. Oh non. On va gagner du temps! Il y a des feux d'artifice? Oh, y'a un flare gun. Y'a des feux d'artifice. Ça va sûrement le repousser. Un piège. Ah! Let's go! Oh bordel de merde! J'ai posé le piège! Mais il a pas pris. C'est moi qui vais le prendre à ce rythme. Zeni, attention au piège! Oh Arthur! À terre, démon! Retourne d'où tu viens, créature des enfers! Ah! Ah! Ça tourne mal! I'm down! Dans les chiottes! Ah non! Non, il m'a chopé, il me bolosse! Quoi? Tape-le, tire dessus! Non! Vite, Zeni, aux chiottes, vite! Je dois me heal! Faut que tu gagnes du temps! J'ai pas de soins du tout, j'ai rien! Ok, très bien! Y a le con du 62 qui me dit d'utiliser le couteau. Ok, excellent choix de pseudo là-dessus, hein. Là-dessus, je suis bien d'accord. Y a pas de couteau qui tienne, hein. Ivano Roche, prépare ton flare gun, le flare gun. Mets-toi avec moi, là, en hauteur sur le caillou. Mec, faut que je gagne du temps dans les chiottes.
S'il doit enfoncer la porte, ça m'est bien. Je vais lui tirer une fusée et je vais m'enfermer dans les chiottes. C'est une technique. Technique ancestrale des grands maîtres. Fais-moi confiance, Zenny. Je suis qu'à 66 points de vie, ça craint. Faut pas qu'il m'atteigne. Chacun pour soi maintenant. Ah bah non. J'ai un flare gun moi aussi. Oh non, il y a le con du 62 qui nous met un visage triste. Ça va, je te présente mes excuses. J'ai été un peu agressif. J'admets. Mais le couteau c'est mort. Y'a pas de ça ici. Non, par contre tu le lances sur lui et après tu te débarrasses du couteau. Ah, on peut lancer le couteau, bah alors là... Ça arrive au nord, ça va t'arriver dans le dos, tu vas rien voir arriver, toi. Non, je peux pas le lancer. Bon, ah pistolet de détresse, on se prépare. Le reste, tu peux. On va bien se passer. Cet arbre, il est bizarre, hein, on dirait un oursin. Quand même, hein. Ça va, Zenny? Ouais. Les planches volent. Je suis pas sûr que ce soit normal, ça. Il va y avoir un bug dans le système. Je vais lui mettre des coups de clé à molette, ça va me rappeler l'expérience Bioshock. Là, je suis chaud, là. Bouffe mes plastides. Non, les plasmides. Plasmides. Eh, on l'a calmé, hein. On va peut-être pas le revoir de la nuit. Peut-être qu'à force de perdre de la vie, il devient de moins en moins déterminé à se bagarrer. Bah, dans ce cas-là, s'il veut pas se montrer, on va dans sa tanière et on le... Je... Oui. C'est vrai que comment on fait pour le chasser de jour? Parce que de jour, il est toujours loin de nous, quoi. Bah on campe devant sa tanière et on regarde s'il revient ou pas. Moi je serais d'avis qu'on se mette en mouvement maintenant. Si tu veux, alors. Enfin non, bah attends, s'il nous rattaque et qu'on est en pleine... Non mais brousse. S'il attaque, on va l'entendre crier. Oui, non, mais il va nous dépouiller si on est perdu, qu'on n'a pas de bâtiment dans lesquels se planquer. On a des flare guns. Le flare standard à main, ça le fait fuir direct. J'ai pas l'impression, moi. Quand je lui en mets dans la tronche, en général, alors il est quand même déterminé à me mettre. C'est le signal qui marche bien. Putain. C'était une idée médiocre. Suis-moi. Et ça éclaire rien du tout. On monte le chemin. J'ai pas gaspillé, hein, c'est pas vrai. D'ailleurs, il peut prendre que ce chemin-là. C'est vrai, ça. Non, je crois qu'il saute, hein. Il peut sauter. Attends, moi, je me mets en hauteur, là, et je garde un œil. Mais non, il fait déjà jour. Mais tant mieux. Ça va, ça se passe bien. Mais ça, ça nous arrange pas. Mais si, parce qu'il peut pas régénérer tant que ça. Et puis, de toute façon, il régénère très lentement. Donc, franchement, on a l'avantage, quand même. Est-ce qu'on est sûr d'avoir tout fouillé? Il faut qu'on se retrouve des kits de soins, parce que moi, la prochaine attaque, elle peut très mal tourner pour ma tronche, hein. Ouais, je suis d'accord. T'as encore de quoi te soigner, toi? Non. Super. J'ai 66 points de vie. Eh bien... Ça promet. Ok, non, bordel, j'allais sauter, mais là, c'est pas le bon truc à faire, là, tout de suite. C'est par là que t'as trouvé son... Ah, tu veux aller dans la tanière, là? Bah, je sais pas, ouais, vite fait. Ouais, vite fait, ouais. Il y a une tour radio. Mais y a rien, j'ai tout loot. D'accord. Par contre, le cri. C'était dans la direction où je regarde, là. Il est peut-être dans sa tanière. C'est par là. Après, c'était plus bas. Putain, vas-y, craft encore des pièges. Ok, c'est dangereux. C'était dangereux. Merci beaucoup. Bon, voilà, je suis à la tanière. Tu peux me rejoindre. Bah, t'es super loin. Bah, bon, c'est normal. Enfin, je vais pas faire de méga jump. Bah, je l'ai fait, moi, et ça s'est bien passé. Mais il est pas dans sa tanière. Ouais, t'as perdu 9 HP, mais tranquille. Comment tu le saurais? Comment tu sais? Stream snipe. Ah, t'es ce genre de personne, hein. Ouais. Et de la triche. On peut grimper là et regarder par ici, d'accord. Tu vas être déçu, il se passe rien là-dedans. Bon, bah c'est dommage. Bah là, on n'a plus qu'à retourner au village et au lac. Et à camper là-bas et à faire un last stand. Hein. Tu crois qu'on peut... Ouais, putain.
On ne trouvera si, pas si... de heal ailleurs, hein, parce que moi j'ai l'impression qu'on a tout l'autre. En bas à droite de la map là, il y a du vide, hein. Il y aura des trucs, hein. Il y a du vide, mais est-ce qu'on va avoir le temps d'y aller et tout looter? On a le temps, hein, si on y va tout de suite. On va pas avoir le temps de revenir, on va passer une nuit des enfers comme la dernière. Si on a raison et qu'il y a vraiment des trucs là-bas, on trouvera certainement un endroit où se cacher aussi pour se battre. Ça paraît logique. Ouh, 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 là il va falloir que je me trouve une trousse de soins. Si je vais pas tenir, hein, je vais pas survivre. Aïe, aïe, aïe. Ah, ça c'est la voiture de police. Ok. Ça va, il régène pas trop, hein. C'est bien ça, ça nous arrange, hein. Ouais, pour autant la nuit... Ah, attends, il vient de prendre 40 points de vie, là. Ah merde! Dans le plus grand des calmes. Il a dû manger un raccoon. C'est savoureux, ces petites choses-là, aussi, hein. Où peut bien être la maison dans les arbres? Apparemment, on peut rentrer dans un grand arbre, mais celui-là, là, il n'y a pas d'entrée, donc je sais pas de quoi on me parle dans le chat. C'est peut-être des petits mensonges, hein. Attends, il y a une maison, là. Ah bah voilà. Par exemple. Je savais que j'avais raison, mon instinct ne me trompe jamais. Je suis une pointure. Ah mais c'est la cabane. Waouh. Ok, j'ai un arbre qui est tombé. Ça fait peur. Yes, c'est la cabane. Bah voilà, la mec, je suis un héros. Ah, la batterie de drone. Bon, pff, le drone, on sait même pas s'en servir, il bug. Bon, attends, je vais te donner le drone et la batterie. Ah ouais, parce que attends, c'est vrai que... Tu vas essayer de le faire fonctionner. Bah oui, parce que si on y arrive, on peut le stun avec ça, hein. On peut aller chercher dans la map, là, et lui mettre tarif. Mission de flare gun. Ça dit qu'il n'y a pas de signal. C'est bizarre, du coup, ça doit pas être un bug, mais c'est pas une question de batterie, la batterie est pleine, mais ça dit pas de signal. Comment ça, pas de signal? Ça doit être un bug, hein. C'est pas normal, ça. Attends, peut-être que le drone, il se contrôle que de la caravane. Non, je crois pas, hein. Justement, il se contrôle que de la tablette. Il se contrôle pas du tout depuis la caravane, je le sais, j'avais fait un test. Ouais, mais si, moi, il écrit pas de signal non plus. Bah oui, mais c'est un bug. Non, pour moi, c'est la caravane qui peut le contrôler. Ah non, autre. Non, il avait pas de batterie, c'est un bug visuel. Mais j'ai remis une batterie et ça marche. Ah bah voilà. Mais pourtant, c'était visuellement, c'était marqué qu'il était full batterie. Hein. C'est, donc il y a eu un petit bug quelque part quand même. Bah écoute, pas grave. Économise sa batterie, on l'utilisera dans la nuit. D'accord, oui. Très bien, comment je quitte? Oui, faisons comme ça. Hop, on va gagner. On va j'ai gagner. J'ai trouvé que Aunt Ruby était morte près de la chute d'eau. Ouais, mais j'y suis allé, j'ai pas trouvé de cadavre. Oui, j'ai lu la même chose sur une autre note, mais il n'y avait pas de cadavre. Hein. Oh oh. Mollo quand même, hein, sur les bon, sonorités. Je vais nous aménager un petit truc sympathique. Faisons-le. Hop. Hop là. Ah, il peut escalader par là, donc ça déjà c'est pas cool. Hop. Putain, la prochaine nuit on va se marier. Ça va être super bien. Du coup, je me demande si on devrait pas retourner au village de l'eau. Après, l'avantage, non, c'est que là, on a de la hauteur, donc s'il veut venir nous chercher et qu'il fuit, on aura une bonne ligne sur lui pendant un certain temps. Restons là. Allumons-le. Alors... Ah. Très bien, j'étais en train de bricoler. Ah, trouvé. Oh, j'ai mis un piège, allez. Ah, mais il a perdu. Qu'est-ce que tu vas faire, mon gars? Ça y est, il fuit. Incroyable. Il fuit dans quelle direction? Il fuit dans la forêt. Ah ouais, il a pris cher. Putain, mon piège,
Il a bouffé toute la vie qu'il avait gagnée tout à l'heure. Ah, Arty a utilisé ses points pour obtenir rien. Mais c'est pas mal, ça. C'est pas ça mal. Ça a l'air d'être rentable. Ça valait le coup, hein. Je pense qu'il n'a aucun regret. Bon. Très bien. J'ai lancé une prédiction pour voir comment ça marchait sur Twitch. Mais j'ai pas les résultats. Pour savoir si les gens pensent qu'on va réussir ou pas. J'ai pas les résultats, mais je pense que... Je crois qu'ils croient pas trop en nous. Hein. Pourquoi save? Genre, pourquoi il y a un bouton save? Save? Sauvegarder? Il y a un bouton save dans le menu, ouais. Bah, on peut peut-être sauvegarder si on veut reprendre plus tard. World saved. Mais non. Bah, bon, on s'en fout, nous, on a pas le temps pour ça. Ah ouais, non, mais nous... C'est 99% oui, c'est vrai. Est-ce que t'as des explosifs? Ok. Les gens croient en nous, hein. C'est beau, j'ai pas d'explosifs. Ben. J'ai rien. Dommage. Du tout. Dommage. Mais c'est pas grave, hein. Ça va bien se passer. Hop. Sixième nuit. Ok, ça y est, ça va devenir vrai dans quelques instants. Se la donne. Est-ce que... Bon, alors moi j'ai un piège sur moi. Oui. Que je poserai en cas de... Bah, en cas critique. Ok. Ok. Très bien. Sinon, je vais essayer de garder un œil sur tout le contrebas, là. On croit pas en toi, on croit en Zeni. Ok. Très agréable. Le bannissement va devoir être effectué. Il faut que j'impose ma dominance, là. C'est pas bien. Strat de faible. Ah d'accord, bon bah j'utilise le drone. Puisque tout le monde est méchant, je vais faire un tour avec mon petit drone. Ah merde. Je crois qu'il faut attendre le prochain cri pour être sûr qu'il nous attaque. Ok. Ok. Ouais, je peux peut-être l'appeler, hein. Right mouse button pour le stun. Bon, je vais essayer, hein. Donc là la strat c'est quoi? Il vient vers toi, je le stun dès qu'il arrive, hein, et s'il vient vers moi par contre c'est une catastrophe, non? Tout dépend. C'est pas maniable du tout le drone, hein. Hey, je te vois, Zeni. T'as l'air en forme. Hein. Ok, il va arriver devant moi là. Ouais, on dit rien. Bordel, je contrôle que dalle, c'est une catastrophe. Hein. Quand il va falloir viser pour le stun, j'aime autant te dire que ça va pas fonctionner. Hein. Comment marche la prédiction? Je sais pas du tout. Je l'ai lancé, mais je sais pas comment ça marche. C'est trop tard pour voter. Ah, je crois que vous aviez qu'une minute. Oh. Il a pas l'air de... Est-ce qu'il a vraiment pu oser venir nous voir? Peut-être qu'il a... On lui a mis trop cher, hein. Il a peur de nous. Attends. C'est bon, il fait le tour par la droite. S'il fait le tour par la droite pour te fumer dans le dos, ça par contre. C'est pas grave, s'il fait ça, je le stun. Direct. Je pense que c'est dur de m'attendre là. Oh, je suis si beau! Ouais, il fait le tour par le bac! Quoi? Ah! Oh, bien! Ça a plus ou moins marché, mais maintenant c'est l'heure de mourir. Ah! Ça y est, il voit plus! Attaque! Je suis bientôt mort. J'ai 18 points de vie. Zeni, au secours! C'est pas bon ça. Zeni, j'ai peur là. Je vais pleurer bientôt. Je vais bientôt avoir des larmes, hein, devant tout le monde, Zeni, sur Twitch. Mais quelque chose! J'arrive pas à revenir! C'est quoi ce jeu stupide avec cette physique à la con? Il va revenir par le même endroit. Oh mon drone! Je vais remettre des piles. Ok, c'est l'heure de deuxième round. Ah oui. Ok, bon, on refait la même. Je campe. Ah oui, sauf que le jeu a rebugué. Voilà, merci. Je vais camper avec le drone devant moi. Comme ça, je me protège. Par contre, right mouse button. C'est quoi ce bruit? C'est le Bigfoot. J'ai raté, c'est mort, je meurs. Je suis au sol, Zeni. Mais Zeni, t'es même pas prévenu, je savais pas qu'il passait par là. Fais quelque chose.
Ah, il va me bolos. Ah non, il va me bolos. Ah, c'est la fin. Ah, c'est la fin. Beaucoup de plaisir. Oh putain, j'ai mis une certaine DPS, on dirait, hein. Non, non, les stats marchent pas, on peut pas voir. On peut pas voir. D'accord. Ça marche pas. C'est dommage parce que j'aurais bien aimé voir, mais on pouvait pas voir les stats. Bon, bah, je suis fâché. Ah, tel que tu me vois, Zeni. J'ai déjà été de meilleure humeur dans ma vie à d'autres moments. Mais là... Là, c'est pas cool. C'est vrai. C'est pas cool du tout. Bon, bah... On va le refaire, Zeni, c'est tout. J'en ai bien peur. On peut le refaire. On peut faire mieux, Zeni. On peut le faire. Bon, comment on choisit le résultat de la prédiction? Faut que je mette à jour. Super génial. Oh la vache, punaise. Ah, il est... N'empêche, il est fatigant, le jeu, je trouve. Mentalement, ouais, c'est dur. Parce que j'étais vraiment à fond, quoi. Ultra concentré. Ah, mais il n'y avait qu'une personne qui avait voté pour non, mais il va se faire une énorme quantité de points sans aucune valeur. Hein. Il va se mettre bien. Hein. C'était bien vu. Oh la vache! Bon. Alors, choisir la réponse. C'était non décès. Et voilà. C'était beau, hein? Bien joué, on l'applaudit très fortement. L'unique gagnant qui est 2RH. Tiré du bas, Asta, c'est un pseudo compliqué d'ailleurs, hein. Il a gagné. Belle victoire, belle bataille. On est assez fiers. On est content. Alors moi, il y a quand même un petit truc qui me vient en tête, c'est que est-ce que le monstre est réellement équilibré pour deux joueurs actuellement? Je crois que ça dépend de... Je sais pas. Très bien. Je sais pas pourquoi j'ai tenté une réponse alors que j'avais pas la moindre idée. Je sais pas s'il y a un équilibrage. Je sais pas. Je ne sais pas du tout, effectivement. Ah, incroyable, l'accord du stream sur Monster Hunter. Putain, je vois qu'il y a des gens. Oh oh, il y a des gens bien. Ah, il y a des gens bien, effectivement. Je ferai certainement des lives sur Monster Hunter, oui. Ça peut se produire. Ah, c'est vrai qu'il y a moyen, qu'on mette du gros skill sur MH. Alors, un coup de Oonga Boonga GS. Hein. Par contre, Zeni, avant de lancer ça, pause pipi, en fait. Parce que c'est chaud, là. Tout donc à fait. Je reviens. Bien, vas-y, je vais me renseigner un petit peu sur l'équilibrage de ce jeu. Et donc ça. Faisons-le. Ok, j'arrive. Super. Alors, Zeni, es-tu parmi nous? Oui, je me figure, vas-y. Les gens ragent justement dans les forums de Steam parce qu'ils disent que depuis qu'ils ont fait la dernière mise à jour, eh ben, y a quelques mécaniques qui sont plus là, genre cacher les caméras.
Et justement, ils arrivent pas à le fumer. Enfin, ils disent qu'il est juste trop fort. Bah, et franchement, attends, on joue un peu comme des guignols. Enfin, pas on, j'entends jeu, mais on va dire on. Et on a failli réussir. Par exemple, quand j'ai foiré le piège, rien que ce détail, c'est si vrai. J'avais réussi à la fin, là, dans le village, on aurait eu encore un avantage en plus, on aurait pu gagner. Hein. Ça, par contre, c'est vrai. Ça s'est pas joué à grand chose. Hein. Tu as jeté la game. Alors voilà, je voulais pas que ça aille si loin dans les propos. Tu peux être banni à tout moment du stream, Zenny. Fais preuve de méfiance. Assure. Qu'est-ce que c'est que ces façons? T'es dingo ou quoi, Zenny? Tu perds les pédales. J'aime pas bien ça. Bon, on va relancer une prédiction parce que c'était fun. On va laisser les gens décider de si on va triompher ou pas. Alors, bon, à chaque fois on joue à des jeux sous pression aussi, j'ai pas trop le temps de lire le chat. Hein. Vous m'envoyez navré. Et voyons s'il y avait des questions. C'est quand la prochaine vidéo? Ah, ça, c'est une bonne question. J'en ai pas la moindre idée. Ça fait longtemps, la dernière. Hein. La semaine prochaine. Sûrement mercredi. Mais oui, en ce moment, j'ai manqué d'inspiration. D'accord? Mais... Je pense qu'on a été quand même inspiré il y a deux jours. Effectivement. Effectivement. Mais no spoil. No spoil. Ah, je ne spoilerai rien. Mm. Mais je pense que ça dégoulinait de skill. Je sais pas si je peux enchaîner les prédictions. Je peux sûrement pas en refaire une tout de suite, malheureusement. Ah si, je peux en refaire une. Ah si, on spam. Très bien. C'est l'heure de faire vos jeux. Et on vous pose la question dès le début. Comme ça, ce sera plus intéressant. Oh, oh la vache. Oh, il fatigue le Bigfoot. Ça va bien se passer. Bon, je suis ready. J'ai pris un autre personnage cette fois. Je passe mon temps à Switch. Parce que la fille Jessica, elle a 10% de running speed. Donc c'est quand même sympa pour essayer d'esquiver. 15% et voilà. de bon healing. Et voilà, la prédiction a démarré. Hey ! Qu'est-ce que ça veut dire ? On a un abonné ! Conscrit 2020 vient de s'abonner. Bah merci bien. Mais pourquoi j'ai pas eu le signal sonore? Il est censé en avoir un là. Je comprends pas. Hein. Il est bugué mon stream. Hein. Est-ce que vous l'avez eu le signal sonore dans le dans le live? Moi je l'ai pas eu. Mais merci à toi Conscrit. C'est gentil. Merci pour le sub. Mais je t'ai même pas vu dans le chat. Je connais pas ce pseudo. Ça me parle pas. Peut-être que je suis pas assez attentif aussi. C'est un mauvais streamer. Cette prédiction est quand même pas très sympa, hein. Je trouve que ma personne est grandement blessée. Je suis resté impartial, d'accord? C'est important. On va gagner. Oui. On va gagner. Oui. Ça me plaît. Ça. Allez, on y va. Allez, tiens. On les pète là. Et oublie pas de remettre la même vie à Bigfoot, non? On assume ou est-ce qu'on réduit? À la base, c'était sur 2, après on est passé sur 3, mais dans tous les cas, c'est beaucoup. Hein. C'est vrai qu'en fait, j'ai pas vu grande différence entre 2 et 3. On dirait que le truc, c'est 1100-1200, tu sais. Ouais, effectivement. Du coup, ouais. Moi, je serais d'avis de mettre du médium, parce que ce soit du médium ou du hard, de toute façon, c'est abusément dur. Donc, Bon, bah d'accord, faisons-le. Encore une fois, on n'est que deux, et c'est possible qu'il faille être trois pour que ça se passe bien. Sûrement, ça peut jouer jusqu'à quatre même, donc c'est sûr que si la difficulté n'est pas adaptative, eh ben on n'est pas aidé. Mais j'imagine les gens qui essaient de jouer à ça tout seul, alors ça va être fun ça aussi. Hein. Ah, ils doivent s'amuser. Kibronze veut savoir comment je fais les prédictions. Je sais pas si tu peux les faire en tant que modérateur, parce qu'il faut avoir accès à mon studio. Une chèvre. Hein? Non. J'adore les vannes, hein. c'est drôle. Tu es rigolo, Zenny. Très content. Ça se fait depuis le tableau de bord de créateur, donc je sais pas si tu peux le faire, Kibronze, en tant que modérateur. Sinon, je te donnerai les identifiants pour un prochain live. Il y a eu un bug ou pas? J'ai l'impression que mon jeu a crashé, là. Non, c'est Press Anyki to continue. En fait, j'étais perdu sur Twitch en train de récupérer les jeux gratuits. D'accord. Désolé, hein, j'ai récupéré Knockout City. Pas de soucis. Alors, Geekman nous dit « Mauvaise chance ». Ah, là, j'ai l'impression que les gens votent plutôt pour la défaite, hein. Ok. Aïe, aïe, aïe. Ils ont retenu la leçon. Ok, très bien. Bon, alors, première nuit, ils nous attaquent pas. Oui. Donc, on trace.
Moi je vais rester dans la caravane. Les pièges c'est surtout utile quand ils nous attaquent, viens prendre une tablette surtout. J'adore. J'adore looter la caravane, yeah. Oui. J'adore la caravane. Oh oui alors. Oh, t'as changé de personnage, qu'est-ce que c'est que ça? Oui, je cours plus vite. D'accord. Chacun pour soi. C'est vrai que moi j'ai le bonus d'avoir plus de dégâts d'armes à feu, donc il faudrait peut-être que je me sorte les doigts et que je vise correctement. Ça pourrait être bien. Je laisse les signaux. Ah, quoique, non, attends, t'as pris le lance-fusée là? J'ai pris. Tu veux le lance-fusée? Tiens, je te donne le lance-fusée. Moi. On refait moi, comme tout à l'heure. Les signaux. Ouais, parce qu'il me rush tout le temps technique. Et donc je le balance. C'est très bien. Changeons pas nos méthodes. On ne change pas une équipe qui perd. Si, en fait, je viens de trouver, j'ai le tableau de bord de Modo, comme tu dis. Ah, génial! Bon, bah, qui bronze pourra gérer les prédictions bien. À l'avenir, c'est bien ça. Ok, super, première nuit, on y va. Où est-ce qu'on va, Max? Bah, qu'est-ce que j'en sais, moi? Bah, on va dans le village où il y a le petit lac. Ok. Faut penser à mettre les caméras. Hein. Je vais remettre une caméra ici, comme d'hab. J'ai l'impression d'avoir oublié les objets, là. J'ai rien sur moi, là. Dommage. Oh, 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 oh! Oh, petite cam! Oh! Oh bah... Voilà, je trouve un zouf. Quel artiste! Oh, c'est qui ce beau gosse? Alors! Oh la belle bête! Hein. Oh, hein. T'es où Zeni? Bah, je fonce au village. J'arrive. Fais gaffe au piège, ça prévient pas. J'ai pas peur. Je sais tous bouffer à la game d'avant d'ailleurs, sauf un. Salut Gilles Gasso, bienvenue. Ça va très bien, on va très bien là. On fait que de gagner depuis tout à l'heure. Beaucoup de victoires. Mais non. Ah, je sais. Alors, je sais pas qui est Gilles Gasso exactement. Mm-hmm. Mais c'est un de mes potes, c'est sûr. Très bien. Ce pseudo ne sortirait pas de nulle part. D'accord, je vois. Il y a des private jokes. Je suis pas tenu au courant. Ah bah, écoute, c'est le nom d'un de mes profs, donc... C'est peut-être lui. Donc, sois respectueux. Ah, c'est vrai. C'est vrai, c'est mon... techniquement, c'est mon tuteur, hein, donc... Y'a moyen, hein. Oh, oh, ça va prendre une mauvaise tournure, hein. Bon bah faut gagner là, faut que les gens soient fiers de toi. Non, mais tu crois, mais Lucas, mais qu'est-ce que tu fais? Oh là là. Lucas là là. Qui vient me voir. Ok, munitions. La méthode agile. Yes, petit pompe. Ok, ça c'est bien. Ah non, ça c'est pas bien. Pas bien ça. Est-ce qu'il y a un coffre ici? Installer, micro-ondes. Pense à prendre toutes les armes de mêlée. Ah ouais, pourquoi faire? Parce que tu peux les lancer et du coup ça reste planté dans le Bigfoot, bah en vrai ça veut dire que ça fait mal. J'ai une batterie de voiture. Bah, quitte à lancer un truc, je préfère lancer des balles projetées à toute vitesse par mon arme à feu. Ouais, mais tu sais quand il est sur toi des fois... On n'a pas testé les dégâts des armes de mêlée. Tu veux tester? Fais-toi plaisir. Hein. Bah, quand lui il aussi dans un piège, il a deux belles armes de mêlée et j'ai testé leurs dommages, ils sont assez élevés. Hein. Du coup... Oh, une batte de baseball! Non, je viens de changer d'avis. On va régler ça au corps à corps. Allez. Ça va être cool. Non. Dans la maison où je suis, tu dois te ramener, il y a un signal flare. Ouais. Je ne peux pas Pourquoi utiliser. Tu mets tes jeux en anglais systématiquement? C'est pour te la péter, Zeni? Oui, oui, totalement, totalement. Je te reconnais c'est bien pour là. Le bilinguisme. D'accord. L'anglicisme. Mais je me rends compte que certains trucs sont même pas traduits, là, genre empty. Ils avaient la flemme de mettre vide. Je comprends, c'est compliqué. Hein. It won't budge. Peter, je ne te trouve nulle part. J'ai trouvé le journal de... Oh non, mais c'est toujours les mêmes notes, en fait. Oui, donc elles sont pas très utiles. Il y a une fusée éclairante? Bah t'es sûr que tu veux pas la prendre? C'est tes outils, ça. C'est ta spécialité. C'est quoi ça, une vieille bougie? Bon, j'ai pas mal de mines de pompe, c'est sympa. J'ai claqué 150 pour que tu gagnes, alors rate pas les bidons explosifs, on va faire ce qu'on peut. On va faire ce qu'on peut. Mais là, tu me mets la et pression, donc je peux rater maintenant. Non, faut pas rater les bidons pour les faire péter dans la bouche. Max, tu sais s'il est possible de jouer au jeu VR PC sur l'Oculus Quest 2. C'est l'Oculus. Bien, c'est un joli nom. Ça, c'est la correction automatique, ça. Oui, on peut, mais il faut un câble spécial et un PC assez solide, du coup, pour faire tourner ça. J'ai trouvé la waterfall. Mais si tu as le câble nécessaire, effectivement, tu peux jouer avec l'Oculus Quest 2 sur les jeux PC, d'ailleurs, tout à fait. Mais j'espère que t'as un PC viable, efficace, puissant, comme le mien.
Ouais. 266 points pour notre défaite. Arty est moyennement agréable ce soir. Moyen, hein. Mais est-ce qu'il a été agréable sur tout ça? Oui. C'est un bon membre. C'est vrai. C'est vrai qu'on peut le dire, mais le cachot, ça rend les gens agréables. Ah. C'est vrai qu'Arty avait fait un séjour au cachot sur le Discord il y a quelques temps. Mais ça va, c'était un avertissement. Il est un peu foufou aussi, Arty, hein. Faut se méfier. Allez, The Bee, Léonard. Quel câble, parce que mon PC est puissant. Oh bah, faut aller voir sur le site d'Oculus, mais je crois qu'il s'appelle l'Oculus Link ou une merde comme ça. Par contre, il est hors de prix, hein. C'est juste un petit câble, mais je crois qu'il le vend 100 balles. Ou plus ou moins, 80, 100, je sais pas, trop, en tout cas. Ils se font ça plaisir. Ça rappelle l'adaptateur pour Kinect, ça. Kinect, mon dieu, ça existe, hein. Ah, ça a existé. La bon, honte de Xbox. Hein. Alors, la honte, je sais pas, parce que bon, au moins, ils ont tenté. Ouais, ils ont tenté. Et bien vu, ça. Encore une belle idée de Phil Spencer. Non. Si. non. Tout est de sa faute, c'est toujours lui. Mais non, mais c'est lui qui a sauvé Xbox, t'es ouf. Ah bon, sauver, c'est pas encore fait, hein. Game Pass. Ah oui, là, le rapport qualité-prix, hein, on adore. Hein. Ça, l'argent, ça Max, l'argent. Ouais, super. De beaux projets, ça. Alors, y a pas de petites économies. Mon PC est très puissant, et ben c'est très bien. Alors, et ben dégote-toi le câble et tu pourras jouer en PC VR avec l'Oculus Quest. Tout à fait, c'est possible. Ils ont pas attaqué la première nuit. Ma théorie était vraie. Moi, j'ai pas acheté le câble à 100€, mais un câble à 16 balles qui marche aussi bien. Ok, bah ça se tente. Hein. Ah bah AliExpress. Hein. AliExpress. Je prends un cadavre. Apparemment, il y a des arbres dans lesquels on peut rentrer, mais je... ça m'a l'air d'être une info pas viable. Il y a Capruche qui nous dit j'ai tout mis pour que tu gagnes, alors j'espère que tu gagneras. Ah, il a décidé de claquer 100% de ses points sans aucune valeur. Ça, c'est osé. Hein. On va faire ce qu'on peut. On va faire ce qu'on peut pour gagner. Faire de notre mieux. Pour l'instant, on a bénéficié d'une première nuit tranquille, une première journée tranquille, et la prochaine nuit, ça va être le Shkoumoun. Ça peut tourner mal, effectivement, mais maintenant on le connaît, le Bigfoot, on n'a plus peur. Je vais plus crier, moi. Il n'y aura plus un seul cri. Maintenant, ça va bien se passer. Ah, je suis à la casse-bas, mais il me faut le code. Geekman a mis la moitié de ses économies dans ce pari. Aïe, aïe, aïe. 89,47. Yes, j'ai le code. Quoi? Mais comment? Quoi? Oh! On ne frappe pas sans subir le retour du bâton! Attends, 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 t'attaque, attends, hein, attends, attends. Quoi? J'ai de la dynamite! De la dynamite! La dynamite! Ouais! Ça met bien ça! Je suis content de l'entendre. Utilise le drone pour trouver sa planque. Non, mais sa planque, on veut pas la trouver. De toute façon, c'est lui qui nous trouve. Oui, il y a juste pas besoin se préparer. De le trouver. Hein. Il nous rush, on le bolos, c'est next. De toute façon, waouh, ça m'a un peu fait peur, ça, quand même. Belle feinte, merci. De toute façon, il est jamais statique, en fait. Hein. Il est tout le temps en mouvement, j'ai l'impression. Jamais il se planque où que ce soit, à mon avis. Par contre, Zeni, t'es parti en solo, en fait. Oui, mais attends, là, faut couvrir le plus de maps. Hein. Faisons-le. Ah oui. Faisons-le alors. Hein. Ah ouais. Merde. Allez, le QTE a été exécuté. Ah, tu serais donc un joueur d'Until Dawn. Non, c'est pas mon style de jeu. Ah mais par contre, si tu gères le QTE, tu prends zéro dommage. Bon bah ça va. Ça met si, de bonne tu humeur. Prends deux, un ou deux, je crois, non? J'ai pris un, ça va, c'est honnête, poteau. Ouais, ça va, tranquille. Un cadavre. J'ai trouvé Monica. Aïe. Enfin, ce qu'il en reste. Ouais. Ah, je peux quand même regarder ses messages. Quoi de neuf, Peter? Surprise. Salut, qu'est-ce que tu veux dire? Juste écoute! Je ne peux pas le croire! Ah, je vois que t'as de bonnes nouvelles. Ouais, ma tante a une affectation au parc national. Quelqu'un dit qu'il y avait des animaux étranges là-bas, comme des ours ou des trucs comme ça. Quoi qu'il en soit, c'est nous allons avec elle. Des ours.
Oh, je ne peux pas, j'ai piscine. Il est sérieux, Peter. Aquaponé. Peter, c'est quoi ces excuses? Pete, ne plaisante pas. Ça va être un super voyage. Je peux. Wow. Un arbre. Allez, ça va être génial. Lol, ok. On reparlera de ça à la maison, point. Génial, je t'aime, bébé. Quoi, chérie? Désolé pour tout à l'heure, je comprends que... Ah non, mais attendez, c'est super long, dans quoi je me lance, là? C'est insensé, je peux pas le croire. Monica, réponds-moi! Et Monica, elle est en pièces. Une belle histoire, non? Moralité, envoyez pas n'importe quoi par SMS, voilà. Oui? Ah, mais Zeni, si je te dérange, faut le dire, hein, moi je peux rester là, avec les cadavres. Mais mec, faut se manier là. Ouais, je vois bien qu'il faut se manier. Je vois bien. Ah non, l'ours. Ah non. Bon, je vais trouver des objets. Max, c'est quand la prochaine vidéo? Oh Seigneur, Seigneur Jésus. Va falloir que ça s'arrête, hein. La prochaine vidéo, c'est quand je le décide. Et je sais pas. Oh, une bouteille de gaz. Ce sera dans la semaine prochaine. Ok, je suis dans le village où je me suis fait attaquer l'autre fois, là. Caméra de vision nocturne. T'es dans le village, on est content. J'ai donc une bouteille de gaz. J'avais d'autres trucs bien, non? Ou je les ai perdus? Je les ai perdus. C'est pas grave. Munitions. Kit de soins. Ah ouais, tiens, ça, on a pas trouvé beaucoup, hein. Ça, c'est pas cool. 7 par 60... ouais, ok. Ça c'est bien, on est 9, content. 7, 2, 4. Ouh, yes. Regarde, 9, ok, 7, 2, 4. J'ai eu deux kits de soins d'un coup, ça c'est pas mal. Là je suis équipé. Vas-y, non, je vais essayer de plein de signal flare que je peux pas récupérer, j'en ai trop sur moi. Le jour vous vous divisez pour fouiller et la nuit tu campes. Ah non, bah oui, c'est vrai qu'au final c'est pas mal ça. Mais il faut qu'on se retrouve bientôt, parce que je pense que là la nuit. La nuit doit être très bientôt là, hein, ce stade. Hein. Ça va arriver. Là où je suis, c'est un vrai village donc c'est pas mal. Je vais essayer de te rejoindre, mais je sais pas si je le ferai à temps. Et je peux lui tendre un vrai piège cette fois parce que j'ai de la dynamite. Ok, la dynamite va pas falloir la rater. Bah, je la pose et je la fais péter à distance en fait, sur tout ça. Très bien. Ok, 9, 7, 2, 4, c'est parti. 9, 7, 2, 4, ok. Qu'est-ce que c'est que ce et trou d'arbre? Là, la VM, très bien. T'es plus fusil à pompe? Ouais, peu importe, hein. Ouais, bah je vais te filer le pompe et moi je gardais le gros snipe à verrou. Après, ouais, moi j'ai des dégâts supérieurs. En... Après, t'aurais peut-être dû. Avec l'autre personnage, t'avais des dégâts améliorés aux explosions. Donc, c'est peut-être dommage que t'aies changé. Parce que, à part courir plus vite, t'as quoi comme bonus avec ce personnage là? 15% de meilleur heal. Tiens, des fireworks ici. Ah ouais, c'est un peu de la daube, hein. En fait, c'est du chacun pour soi, mais pour l'équipe, pas ouf, hein. Quoique, est-ce que tu. Peut-être que tes soins sont améliorés si tu les mets sur moi aussi. Et ça, c'est cool alors. Bah oui. Bah oui, l'autre, on sait pas, ça se trouve, non? Bah, je sais pas, si ça parle de heal, c'est du heal pour tous. On sait pas. J'ai pas l'info. Moi non plus. Ça paraît logique, même d'un point de vue code. Bon, dès qu'on parle de heal, eh ben, 15% en plus, bim. Bon, ici, ça va être le théâtre du premier affrontement. Ça va bien se passer. Ah, Arty nous quitte. Salut Artie, à la Chopraine. Adieu. Reviens-nous bientôt. Ah mais c'est ça le trou dans l'arbre, mais c'est pourri, c'est juste un passage. La nuit, pas de sens. Je pense qu'elle arrive. Ouais, on va se la donner ici. Hein. Voilà. Alors attends, il y a un truc qu'il va falloir qu'on fasse. Il y a un ours. Le monstre. Le monstre. On va là, tout lui mettre. Coucou. Même endroit. Calme-toi. Demande-moi pardon! C'est ma forêt ici! Bah, il est où? Il est fluide hein, cet ours! Va falloir que tu te dépêches! J'arrive, chef, je suis tout prêt! Je suis tout prêt, okay. Tout va bien, Zeni! Faut se baigner là, ça tourne! Non, c'est pas ça l'arbre! Bon, bah, bon! Eh ben, Eh ben, tant pis! Il est où le firework? Je retrouve plus! Ah, t'as les feux d'artifice aussi? Ouais, il y en a. Attends, je crois pas que ça lui fasse mal, mais ça, c'est peut-être le moyen le plus efficace de lui faire peur. Non, mais à mon avis, on lui fait tout péter en pleine poire, c'est plié. Hein. C'est une technique. Hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais regarde, je suis en train de faire un petit shrine, là. Mais attends, c'est barricadé, ça, c'est génial. Ouais, mais on peut pas rentrer, on peut pas sortir, on peut rien faire. Mais attends, on peut forcément rentrer, c'est pas là pour rien.
Y'a rien. Cette connerie. Où est le fireworks? Non, j'ai pas retrouvé le deuxième fireworks. Bon, je vais essayer de lui lancer une grosse hache. Tiens, j'ai un signal. Je l'appelle. Ah d'accord, t'es comme ça toi. Ah ouais, moi rien à foutre. Ok, tu vois. Attends, la maison, la Chem House 4. Je crois. Elle a une ligne sur le piège, donc tu t'y mets. Ouais, attends, okay. j'ai un pompe. Ok, moi aussi j'ai un truc pour toi. Tiens, flare gun. Ça marche pas ce jeu. C'est où les mines de pompe? C'est où les mines de pompe? C'est où les mines de pompe? J'arrive pas à te donner mes signaux. Ok. Ok, bon bah tant pis. Je dois faire quoi, moi? Tirer sur le piège? J'ai pas mis la dynamite. Cool. Salut, c'est Bigfoot. Exactement, tout à fait, Darkstar 58. C'est ça le jeu vidéo. Barricade. En fonction de qui l'attaque, après faudra foncer pour qu'il se prenne le piège. Bah, c'est facile à dire ça, hein, mais à faire, c'est une autre paire de manches. Ah, ils sont là, les fireworks. Bon bah écoute, je vais placer les derniers fireworks que j'ai. Je suis pas à l'aise, Nazani. Je vais bientôt pleurer, hein. J'ai joué un petit air de guitare. Ah, oh, je suis sur la voiture. Oh, il est là. Ok, cool. Je suis sur la voiture. Tu peux pas me toucher. Bah ouais, je vois. Viens. Et boum. Alors, c'est quoi mon nom, hein? Comment je m'appelle? Fumier. Pourriture. Ah, il est full stun. Ok, on le démonte. À l'ancienne. Les bonnes vieilles méthodes. Le peupon. Aïe, aïe, aïe. Mon arme fétiche, mon arme de choix, mon arme de prédilection. Ah, retraite. Il crush. Non mais qu'est-ce que c'est que ces méthodes? Flare gun. J'ai peur pour ma vie. Arrière, démon. Ah non, non, pas envie. Non, moi je comprends, hein. C'est pas facile tous les jours, hein. Arg. Il m'a dépouillé mes grands morts, hein, mais tout va bien. Je le poursuis. Attends, mollo, hein, sur les poursuites. Je le poursuis. Reviens, Zany, j'ai besoin de ton aide. J'ai perdu, je vais te heal, j'arrive. Ça change quoi si je prends le niveau 2 d'abonnement? Absolument rien. Rien du tout. Mais c'est si t'as envie de donner plus, c'est une option. Ah oui, tu m'as soigné beaucoup, ça marche bien. Attends, bouge pas. Ouais, ça marche plutôt bien, ouais. Je vais essayer de te donner mes soins. Je m'en garderai juste en dernier recours. Ouais, non, on verra plus tard. On verra. Je pose un nouveau piège. Ok. Au même endroit. Ok. Ah non, le loup! TG! Ok, okay. J'ai une bouteille de gaz, je la mets. Très bien. C'est cool. Je vais m'en mettre sur la voiture, moi. Moi, je vais me cacher avec toi ici, parce qu'il va sûrement revenir de cette direction. Oh, on a Linge Manager 66 qui s'est abonné avec Prime. Merci! Merci bien. Je vous ai déjà demandé tout à l'heure, mais j'ai pas vu la réponse. Est-ce que vous avez eu le signal sonore? Parce que moi, je l'ai pas là. C'est très étrange. Oh bordel! Il arrive du même côté. Normalement, il y a une petite voix de Ford qui dit What up, son? Non, y a pas? Non, y a pas. Eh ben, j'ai dû faire de la merde, quelque part. Mais c'est pas grave. En tout cas, on remercie Linge Manager et son beau pseudo. Y a que des beaux pseudos dans ce chat, hein. Ça fait plaisir. Hein. Ça donne envie de se lever le matin, ça. Qu'est-ce que tu fais, Denis? C'est pas l'heure? T'as mangé le loup? Mais non. J'ai envie d'appuyer sur la détente, là, à ce moment précis. C'est pas une bonne idée. Sûrement, hein. Sûrement. Si je parie sur notre défaite, moi aussi, ça vaut le coup, je nous suicide. Il a pas l'air convaincu, hein. Bon bah on l'a impressionné, on a peut-être fait trop de dommages, c'est que la deuxième nuit, donc il est parti se coucher, hein. Pour là, la on est peine, bien. Je vais mettre un piège avec de la viande. Ok. Voilà. Je pense qu'il faut qu'on continue de fouiller, on trouve encore plus d'explosifs et on fait un piège ultime. On fait le tour là, vas-y, on y va. Signal. J'ai un signal dans la main, si besoin. Je peux pas prendre l'item, mais pourquoi le jeu? D'accord.
pas sympa le jeu. Mais il y a des limites d'inventaire au final ou y a un signal ? Oui, t'as quand même une limite. Ah ouais ? Et on peut pas jeter les objets. Ah ouais, donc c'est intelligent comme jeu. Ouais, c'est un peu bon. Bon, je vais virer des armes de corps à corps parce que je sais que je les utiliserai pas, je suis un abruti. Allez, allez, zou ! Voilà. Mais non, ça marche pas quand même ! Bon, j'en ai rien à foutre, ça me tape sur les nerfs. Où est le Bigfoot, là, que je le déglingue ? Ok, là, il va faire jour. Tout est vide, merci. Bon, bah, pour une première nuit, on lui aura collé, je sais pas, un cinquième de sa vie. Ah bah si, j'ai plus le droit. Ah ouais, non, mais ça là, je... Ça a l'air de venir droit devant moi, ça. Où est-ce que t'es, Zini ? T'as posé un piège et t'as foutu le camp ? Ouais. Pourquoi t'as fait ça ? Eh bah parce qu'il faut continuer, il va plus nous attaquer donc faut continuer de looter. Ouais mais t'as laissé le piège ici, c'est-à-dire que tu veux qu'on revienne là après ? Non, j'ai mis de la viande, il le bouffera un moment. Je crois pas que les pièges on devrait les garder pour les combats en direct avec lui ? Parce que là ça c'est pas alors, très utile. Effectivement ça peut aider mais en attendant tout à l'heure ça lui avait bouffé 50 points de vie. Ouais c'est vrai. Non bah et ok on le laisse là. C'est énorme. Faisons comme ça, de toute façon je sais pas ce que je fais, hein. Tout le monde se moque de moi depuis tout à l'heure, je suis la risée du chat. Donc on va suivre les instructions de Zeni, hein. Voilà. C'est quoi ces petits totems? Oh c'est si joli, mais c'est un artiste en fait, hein, le Bigfoot, et nous on essaie de le détruire, c'est dégueulasse hein, de faire ça, on est des fumiers. C'est nous les méchants. Je suis pas sûr. Bah, il fait des... C'est... Si tu fais de l'art, tu peux pas être un animal. Ah bon ? Pourtant, je connais un petit moustachu qui a essayé de faire de l'art. Ah ouais ? Ouais. Ok. Ok, Zeni. Ah, j'ai trouvé une grotte ! Ah bon ? Ouais. Et ça ressemble à une tanière aussi ? Marble for Cave. Nouvelle zone, dis donc. Le con du 62 nous quitte. C'est bien dommage. A bientôt, on se reverra un de ces jours. Bon bah je te rejoins bientôt. Hein. La voie est libre, ambiance agréable. Hein. Sympathique. J'aime bien les promenades en forêt comme ça, c'est voilà. Sympa. Ah bah oui, il est mort ici. Hein. Il y a un loup qui est encore frais, dis donc. Il y avait du loot là-dedans de ce fait ? Vite fait, j'ai trouvé quelques munes pour l'instant. Ok. Je fais le tour, j'ai peut-être trouvé autre chose. Par contre, ça veut dire que peut-être qu'il y aurait d'autres. Wow, il a l'air vachement prêt là. Oui. C'est vrai que ça avait l'air pas loin. Oh putain. Je crois que c'est avantageux de le chasser de jour, mais je vois pas comment c'est censé être possible. Il est, non, mais de jour, il nous esquive trop. Bah ouais, mais pourtant, je crois que c'est possible. Enfin, c'est, oui. Faudrait mais avoir je sais pas de comment. La chance de tomber dessus, tu vois. Ouais, bah ouais, ouais. Par exemple, être sûr qu'il a bouffé un piège, là tout le monde lui tombe dessus. Mais en fait, faudrait être 4 à des endroits différents, et là on aura une chance de tomber dessus. Salut ! Tiens, attends, je vais essayer de te donner un truc, viens là. Tiens, attends, est-ce que je peux te donner des trucs ? Voilà, je t'ai mis des kits de soin. Mais les signaux, je pouvais pas te les donner. Flaregun, boulette. Non, les signaux, non je suis full. Mais t'en as que deux, non ? Ouais, j'en ai que deux, mais je suis C'est deux maximum. C'est d'accord. Un peu dommage. Bah, j'en ai deux aussi, donc c'est pas grave, on est bien. Ouais, faut qu'on aille dans la cabane là-haut. Y a la M4. Bah, il est en train de se soigner. Aïe, aïe, aïe. Ça va encore être un projet à long terme. Hein. Wow. Je t'ai mis une balle dans la cuisse, Zeni. Je te présente mes excuses. Super. Bah j'ai fait ce que j'ai pu. Non, mais je prends note. D'ailleurs, lui mettre des headshots, ça lui fait quasiment rien. C'est un peu dommage. Moi, c'est le genre de truc qui me déçoit, en fait. John Adams Tree. Salut Karatana 2009, bienvenue. Bienvenue dans le chat. Bienvenue sur twitch.org. Enchanté. Ravi. On est en train de chasser le Bigfoot, c'est super. Très agréable. Des bons moments entre amis. Beaucoup de plaisir. Okay. C'est ici qu'il y avait le fusil d'assaut, tu disais ? Ouais. Mais tu connais le code ? Faut
faut le trouver. Il était là l'autre fois, mais du coup c'est aléatoire ça aussi. Il était par terre l'autre fois. Mmh. Oh. Oups. Oh. Hé hey. Aïe. Bah, est-ce qu'on est sûr de... Enfin, on connaît la proximité maximale. Il était par terre, le code tout à l'heure. Il était sous le tapis. Ouais, non mais ça doit être aléatoire, mais le problème c'est qu'on sait pas à quel point ça peut être loin quoi. Ouais, ça peut être dans un petit truc pas loin. Mais non, mais passe pas par là, putain, mais ce genre de bonhomme. Mmh. Ah, c'est chiant ça. Ouais, c'est embêtant. Parce que vider un chargeur sur un mec. Pas là-dedans là, bordel. Ouais, ce serait pratique ça quand même. Le DPS doit sûrement être réel. Mais c'est quand même bizarre, j'ai le snipe le plus fort du jeu, je lui mets 5 de dégâts à chaque balle, quoi. C'est quand même vraiment pas beaucoup, quoi. Ah ouais? Bah t'es sûr que c'est un sniper si puissant? Bah... ouais. Alors, dans la vraie vie, oui, en tout cas. Bip bip bip, ok, il est repéré sur une caméra. Ah bah tout au sud, tiens. Ah bah attends, ah ça y est, il a pris cher. Oh allez. Là là, les dégâts, allez 40. 40, ouais, dans c'est ses dents. Ça se passe content, bien. Hein. Ça se passe très bien. Oula, qu'est-ce qui se passe? Ok, on a encore un abonnement à Prime. Merci, Kleins. Merci à toi. Putain, bah, vous êtes énervé. Conscrit à prolonger son abonnement jusqu'en novembre. D'accord. D'accord, c'est possible, ça. Ok, merci beaucoup, tout le monde. Dis donc, vous êtes des gens bien. c'est sympa. Non! Oh punaise, le dégât de chute! D'accord. Eh ben, on va celui-là. Hein. Qu'est-ce que je disais, moi? Je sais plus, mais ça devait pas être utile. On cherchait le code. Ah oui? On ouais, ça serait bien de le trouver, oui. Oui. Pas. Oh, Xerox est parmi nous. Salut, comment ça va? Ça va, on passe un bon moment. On se bagarre avec un genre de gros singe. C'est très fun. C'est sympa. Mais le code est forcément dans les parages. Ça va m'énerver, ça, en plus. Ça, c'est le genre de truc qui me fait perdre patience. Je sais pas s'il est dans la cabane ou... T'as bien fait le tour de la cabane, j'imagine, Zeny? Ouais, j'ai regardé, j'ai pas du tout vu de carte blanche avec un... Ah mais on peut fermer les rideaux! Ouais, mais à quoi ça sert, tu vois? C'est la question. Bah oui, parce que c'est bizarre, j'ai l'impression qu'il nous... Il sait... J'ai l'impression qu'il sait toujours automatiquement où on est. Donc oui, si c'est pour se cacher, je comprends ah, pas. Ah, il est encore à caméra 2. Attends, on peut... On va quand même tout fermer, sinon ça coûte pas plus cher. Mais je suis pas sûr que ça marche pour nous protéger, effectivement. Oui, le code. Livrez-moi le code. Comment on s'abonne avec Prime? Bonne question, mais je n'utilise pas Twitch en tant que spectateur, donc j'en ai pas la moindre idée. Je ne sais pas. Enfin, faut un abonnement de Amazon Prime, hein, du coup, mais je sais pas comment on le lie à son compte Twitch. Hein, ça, c'est une bonne question. Et vous devrez trouver la réponse vous-même. Derrière le lit. Bof. Après, l'autre code était très en évidence. Donc, s'il est à chaque fois à ce point-là en évidence... Ça craint. Ouais, on va se battre ici. Hein. Reviens par là. Ouais. C'est pas trop mal ici, au final. Attends une minute. C'est moi ou Discord m'a lâché? Je crois que je t'entends plus, Max. Ah bon? Ah bah, Discord t'a lâché, oui. Enfin, attends, moi je t'entends. Ça n'a pas de sens. Pourquoi j'entends plus rien? En plus, c'est fini. Ah. Zeny a craché. Ça, c'est pas bon, ça. Tu m'entends, in-game? Est-ce que je peux taper dans le jeu? Oui. Ah, ça n'a pas envoyé le message. Ah si, oui. D'accord. Alors, Zeny, qu'est-ce qu'il faut, Zeny? Ah, bah, dis donc. Zeny a perdu le son. C'est quoi le but du jeu? C'est de chasser le Bigfoot. C'est barré. Il y a une grande map. Il y a du loot à ramasser. Il y a sa grande barre de vie que tu vois en haut de l'écran. C'est devenu bizarre. Et il faut réussir à tuer le Bigfoot. C'est assez difficile. On a échoué tout à l'heure très près du but. Ça m'a un peu mis en colère. Mais sinon, c'est sympa. Tu refais quand du Phasmophobia? On verra.
on en refera en live. Incessamment sous peu, avec Zeni ici présent. Mais faudrait pas que son il bug, hein. Ouais, petit souci avec Discord, je vais faire un contrôle. Ah, on a perdu Zeni. Très bien, on va régler ça seul. Bon, ça va, il est présent. Bonjour, bienvenue. Bonsoir. Comment va la vie? Allô? On dirait qu'il m'entend toujours pas, cette espèce d'animal. Bienvenue Zeni. Ah. C'est bon? Ouais. Ah, sale bête. Je crois que j'ai un petit faux contact. D'accord, c'est le game, hein, ça arrive à tout le monde. C'est le direct. Hop. Faut tuer le gros pied, exactement. Mais bon, bah là, il vient pas, hein. Peut-être que le coup des... Ah oui, bah là, il va venir, oui. J'espère que t'es fier de toi, Zeni. Toujours. Très bien. Ambiance Alors, par contre, chaleureuse. J'arrive pas du tout à trouver le code. Ah non, mais le code, on peut l'oublier. Ah, oh, mazette. Il est où? Il arrive de la droite. Par contre, ça va être un peu dur de toucher le truc sans qu'il nous pète au nez, là, la bouteille de gaz. Hein. Lève-la. Ok. T'inquiète. Ok. Ok. Ça se passe bien. Ok. Ok. Hop. Okay. Tiens, ordure. Mais les contrôles sont dégueulasses. Ah. Au secours. Zeni, je me fais bolosser en direct et tu fais rien, hein. Comment ça, je fais rien? Je fous le bolos. Je suis mort. Ah, il est encore là. Oh. Allez, gros piège, gros piège. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Où est cette ordure, là? Je lui ai réglé son blingue. Compte à l'ancienne. Bolos-le, bolos-le. Je vois pas où il est, j'aurais pas dû fermer les rideaux, c'était une idée de merde. Où est-ce qu'il est? Il est parti. J'ai besoin que tu me soignes, Zeni. Très bien. Meuf là. Au secours, hein. Ok, merci. Combien t'as? J'ai 70, ça fera l'affaire pour l'instant, j'espère. Très bien. Il va revenir, le bougre. Non, pas la mort, n'oublie pas mes points, t'as pas de soucis, t'inquiète. Il y aura pas de mort qui tienne. On va triompher. C'est facile. Putain, la vache, on lui a pas mis beaucoup de dégâts, hein. on galère, hein. Il revient. Boum. Et voilà, bim. Assieds-toi maintenant. Voilà, ça se passe bien, ça se passe bien, ça se passe bien. Ouah, ça se passe pas bien du tout. Esquive. Je le blind. Bolosse-le. Ok, À terre, chien. Voilà, on l'entendra plus là. 400 points de vie là, on est bon là, Zeni. J'ai plus de signal, donne-en, please. Oui, ne pas bouger. C'est bon. Merci bien. Je t'ai donné un... On va le faire. There. Il a cassé tous les pièges. Il revient encore? Il est ok. À gauche. Ok, ça me plaît. Attends, ça. Il a crié à gauche. Et non, il était loin son cri. Ouais, on va peut-être pas le revoir. Hein, là, il a pris tarif. Hein. Il a pris la sauce. Wow. Ah si, reviens. Ok. Ah mais là, t'es loin. Il monte. Je vois pas. Je vois pas. Je reviens. Ah oui. Oh bordel, quelle victime. Aïe. Par la fenêtre. Ouais. Ouais. Où est-ce qu'il est? Oh. Esquive. Tiens, on Allez. Ah mais il veut mes fesses. Ah, il me bolosse. T'inquiète, bolos. on va gagner. C'est gagné, Zeni. Alors, ordure. Je le poursuis. Ok, on le chase. Tiens, on le chase maintenant, c'est lui la proie. Il a fui dans les fours. Reviens pas, ordure. C'est moi qui ai les plus gros pieds. Ah. Je suis le hobbit. Oh. Le hobbit joufflu. Oui. Oui. Le hobbit joufflu. on domine là, Zeni. On est oh, des héros. La bolos. Bon, écoute, je mets une caméra juste là, voilà, pour bien voir. Et je vais mettre un... Non mais là on domine carrément. Là on continue un tour de map, faut trouver du loot, faut trouver des pièges, faut trouver plein de trucs. Let's go. Mec, on est bien. C'est très urgent. On est si bien là. On est trop fort, mais c'est très urgent. On a même plus besoin de fusil d'assaut, c'est gagné.
Non, il va pas revenir, il fait semblant, c'est une victime. Là, par contre, ça... C'est... Bim. Comme ça, il le tuera pas. Il pourra pas le manger. Par contre, ouais, ça, c'est une bonne strat, en vrai. Hop. Empêcher de se nourrir. Après, ce qui est chiant, c'est qu'il a buté tout, absolument tout, tous mes pièges. Faut que j'en trouve d'autres. C'est pas grave, là, on est bien, hein. Bon, descendons. Est-ce qu'on a le drone, au fait? Il y a tout le mid de la map qu'on n'a pas exploré pour avoir des trucs. Ça annonce une win si Max trouve pas un moyen de fro la game. Ok, ok, la modération n'est pas respectueuse. Je suis pas content là. La cabane elle est là-haut je crois. On va pouvoir y aller après. Faut essayer de trouver le code. Non, bah non, à ce stade c'est bon, on a plus besoin de ce fusil d'assaut là. On est équipé. Aïe! Flare gun bullet. Je suis vautré. Bah bravo. Alors, est-ce qu'on a du stuff? Qu'est-ce qu'on a par là? C'est l'antenne, ça? Mais non, c'est pas l'antenne, ça. King Arthur Tree. D'accord. Mm-hmm. Parce qu'il a un arbre. Pourquoi pas? Bizarre. Ah, j'ai trouvé la cabane. Petite brume. Bonne ambiance. Oh, kit de soins, lourd. Oh, bien. Ça, bah, ça donnez-moi bien. Tous, c'est moi qui heal. Ouais, bah j'en ai qu'un seul et faut peut-être que je m'en garde un en dernier recours, si jamais ça tourne mal. C'est vrai. T'en as combien sur toi là, actuellement? Attends, je vais te dire ça. Non, j'ai pas demandé ça. Arrêtez le jeu, j'en ai deux. On a deux. Bon, bah c'est honnête. C'est honnête, poteau. Ah bah j'en ai trois. Il est tout prêt, hein. Pas très loin, ouais. Je l'ai entendu si près là. Par contre, il s'est heal, il est passé de 365 à 405 ce schlag. Ah, ouais, quand même, il se fait plaisir, hein. Ah, il se met trop yarn. C'est pas tolérable ça. Ouais, c'est chiant. Hein. Bon, allez, on va aller dans sa caverne. Non, c'est pas utile ça, il y est jamais. Ouais, mais à la tour de Radiocom, il y avait quand même du loot. Ouais. On fasse toute la map, on n'a pas le choix. Hein. Ouais, bien sûr. Il n'y a pas d'autres endroits où il y avait plus de loot après? Le village, on l'a déjà fait du coup? Oui, on l'a déjà fait. Village du nord et du sud, on les a fait les deux. C'est là où il y avait le plus de trucs, mais c'est fait malheureusement. Non, je tombe! Des explosifs. 5 de dégâts, toi bien. T'avais utilisé la dynamite de ce fait? Ouais, je lui ai fait péter la chaudron. Très cool. Beaucoup de plaisir. Il y a une cabane pas loin justement de sa tanière. Mm-hmm. Ah bah tiens, voilà une cabane. Wooksashilog, d'accord. Lodge d'ailleurs, c'est pas le log tout court. Ah, y'a un pont. Yay. Ah, un flare gun, voilà. Oh, canister, allez. Ok, on est bien. J'ai de l'essence. On est très bien. C'est gagné. C'est gagné en fait. On pourrait se battre ici d'ailleurs. Hein. Ouais, mais la dernière fois c'était quand même un peu rock'n'roll, donc allons à la tour. C'était genre là. Je me souviens, c'était par ici plutôt. Je te laisse chercher. Quoique. Plus par là. Oui, là. Oui. Exactement. Ma mémoire est solide. Comme Snake. Par contre, t'as fait comment pour descendre? J'ai triché avec la physique toute pourrie. Ouais, y'a un truc là. Attends. Non ouais, mais voilà, mais ça, yes. c'est typique. J'ai glissé. Wow. Ok. Bon bah, on suit là. Allez. Ouais, ah, le live a craché apparemment. Merde, donc ça va peut-être me sortir de la game. Bah, pourtant non, c'est pas possible, tu m'entends là? Ah oui. Bon bah, c'est que la connexion est fonctionne. Attends, je garde un sur le live. Le live est toujours en live. Ah donc c'est fou ça. Attends, et ça me sort pas du jeu. On va aller au village du nord. Mais attends, comment c'est possible? Ma connexion a planté, ce qui a fait crasher le live. Mais... Non, mais le live il est toujours actif là. Ah non, il a planté, tout le monde le dit dans le chat, donc y a pas d'erreur. Bah moi je sais pas, je le vois le live en live. Ah mais apparemment ça a duré que quelques secondes, mais ce que je comprends pas c'est que ça veut dire que j'ai... Repris, ça veut dire que j'ai perdu l'internet, mais ça m'a pas sorti du jeu, c'est très bizarre.
Bon, tu bah peux c'est très cool, bien hein. avoir un défaut sur le stream, mais pas sur d'autres choses. Hmm. Bah, tu sais, faut très peu de bandes passantes pour jouer en ligne. Par contre, il en faut beaucoup pour stream. Ouais, je sais. Mais la question est pas là. C'est que quand mes lives plantent, c'est que j'ai une connexion internet. En soi, elle est très bonne. Mais des fois, elle se coupe totalement. Ouais, en fait, je suis en 4G. Et oui, sans déconner, on est en 4G ici. Je suis ce genre de personne. Et du coup, des fois, ça coupe net. Donc, normalement, ça devrait me sortir du jeu aussi. Mais bon, bref, c'est cool, on va pas se plaindre. Hein. Donc, oui, le live a planté, ça vient bien de moi, les gars. Pas de panique. Ça arrive de temps en temps. Ça faisait longtemps, justement. Hein. Mais tout va bien. C'est ma connexion qui lâche, des fois. Mais ça se relance tout seul, donc ça fait plaisir. On est content. Bon, bon, bon. On a plus de piège, hein. Ça va être compliqué. Et on a jamais trouvé le code pour le fusil d'assaut, ce qui est un petit peu dommage. Oh oh, on s'en va aller loin. J'ai l'impression de passer toujours après toi et du coup tout est vide. Ah mais de toute façon on est déjà passé par là. Ouais, ouais on est déjà passé par là donc c'est pour ça qu'on trouve rien. Du coup on fait quoi? On reste ici? Il fait bientôt nuit? On se bat là? On est prêt mentalement? Écoute, j'ai un fire canister là. T'as que on ça comme explosif qu'on pose? Tu sais qu'une bonne strat, ce serait je le fous là et quand il me poursuit, je rentre dans la maison, je ferme la porte et toi tu shootes après. Ouais. Pour l'allumer. Mais dans ce cas là, il faut que je sois en. Faut que je puisse le shooter de l'autre côté. Et du coup, faudrait pas qu'il vienne vers moi. Mais je vais me mettre dans cette maison là et on va essayer de faire ça. Hein. Parfait, ouais. Très bien. Sinon, s'il vient sur moi, et ben improvisation. Hein. Je ferme les rideaux. Ah, mais de toute façon, si le coup des rideaux est vraiment fonctionnel, si je ferme tous les rideaux et que je reste dans le noir, toi tu fais du bruit. Il devrait venir sur toi. Théorie. On va essayer. Il fait nuit officiellement ou pas encore? Oh ouais, ouais. Là, regarde dehors. Hein. Oui. Oui, oui, ok. Hey, du gland, viens nous chercher. Vas-y, attire-le. Dis-lui des trucs qui vont l'énerver, Zenny. Chien de la casse. Voilà, voilà. T'es moche. Voilà, ça c'est bien, ça. Le Bigfoot a bien régène. Ouais, effectivement, ouais. Là, il a gagné 80 points de vie depuis le dernier combat, non? Oui. C'est pas cool. Bonsoir, les gens qui arrivent. Bienvenue. Vous allez voir une belle victoire, là, j'annonce. Ah. Arrive de la gauche. Parfait. J'ai un point de vue impeccable sur le... bidon d'essence. Ah oui. Y'a pas de quoi faire du bruit à l'intérieur? Une radio, une guitare? Non. Merde. Y'a un truc qui passe au-dessus de nous là. Pourquoi ce bruit? Mais c'est un ovni ou quoi? Non, c'est un avion. J'entends du bruit, je crois. Non? Non. Non. Essaie de tirer quelques coups en l'air avec ton Glock. Mais il veut pas se battre ou quoi? Je me demande vraiment si quand il a peu de vie, il rechigne pas un peu à la bagarre. Possible. Si c'est ça, ça va être gênant, hein. C'est trop calme, on nous dit dans le chat. Effectivement. Je suis bien d'accord. Il y a comme une brume qui se lève, là. Ok, on l'a repéré sur une caméra. Tout prêt. Et là, 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 là. Ok. J'ai fermé la porte. C'est bon. J'arrive dessus. Vas-y. Boum. Je passe par la fenêtre. Attends, attends. Il prend du temps à péter, non? Ah non, il a réussi déjà. Je vois rien. Ok, je l'ai bien allumé, là. Il vient peut-être vers moi. Non, je l'ai calmé, là. Non, il est sur toi encore. Où est-ce qu'il est? Je l'ai touché plusieurs fois, il est à 330 HP actuellement. Ok, il est parti? J'ai plus de signal, je crois. Ah si, j'en ai un. Moi j'ai pas mal de fusées de détresse en tout cas. Il reviendra. Hein. Oui, sûrement. C'est pas grave, je suis prêt. Ouais, moi aussi. Ça vient là. Où est ce bougre? Hmm.
J'ai l'impression que ses points de vie, ça joue sur son attitude quand même. Ça y est. Ah, oh bordel. Bim. Ok, c'est pas bon. Putain, ouais. C'est quoi ces mouvements? Mais bordel, ouais, c'est si dur. Allez. Wouhou. Tout se passe bien. Tout se passe bien. Ah, il te veut, hein. Allez, fumier. Oh, bien. Oh, bien. Faut se tirer, là. C'est maintenant ou jamais, là. Wouh. Oh, bordel de jeu. Au secours. Au secours. Oh, oh non. Zeny. Je bolosse. Fais quelque chose. Il est bientôt mort. Et merde, il s'est barré avec 60 points de vie, sérieux. Merci. Ok, j'ai plus de kit de soins. Tout va bien, on est full life. Oh bah vas-y, reviens. Recharge le pont. Vas-y, reviens, c'est fini pour lui. Ah, je me le fais à la batte, à la grosse hache. Allez, faisons. Je lui lance une grosse hache dans la tête. Emmène-toi. Chien. Viens là, fumier, viens chercher. Et s'il vient plus, il nous aura bien niqué. Hein. S'il vient plus du tout. Revenez la prochaine nuit. Allez, bisous. Non, mais ça se trouve, même la prochaine nuit. Ça, putain, si ça se trouve, à ce stade-là de sa vie, il voudra plus se battre. C'est ça, on va être très embêtés. Hein. On domine. On va gagner. On va gagner. Oh, on a le Gildas TNA qui vient de s'abonner. Merci à lui. J'ai pas les signaux, c'est extrêmement frustrant, là, je pourrais les rater, quoi. Merci à toi, c'est fort aimable. Ça, c'est parce qu'on est en train de gagner, ça. C'est... Où est-ce qu'il est? Et on va le chercher, vas-y, hein. Vas-y, on le rush, vas-y, on le rush. C'est quoi, ça, là? Et où est-ce qu'il est, là, cet animal? De toute façon, il est en position de faiblesse, genre 100%, là. Il va essayer de trouver un... Oh, putain, il a bouffé un animal, il a regagné de la vie! Ah non! C'est dégueulasse. Ah non, monsieur le troll, on fait pas ça, hein. Où est-ce qu'il est, ce fumier? Il a dû s'arrêter pour manger, là. Ben, je crois qu'on va pas le retrouver. J'espère qu'il va venir la nuit prochaine, même avec 100 points de vie. Non, mais là, il n'y a plus qu'une strat, hein. Faut... faut ratisser la map et essayer de le trouver, mais bon. Faut le rush. Est-ce qu'il me reste une cam, moi? Non, j'ai plus de cam. J'ai vraiment plus rien, quoi. Il est parti hiberner pour récupérer ses HP, t'imagines? Oh, il est là! Je le vois! Il va où? Il va vers où? Il va vers la droite de la map. Ok, très bien. Putain, je l'ai déjà perdu! Il s'est téléporté ou quoi? Il était où? Il est parti très exactement vers le tipi de la map en hauteur. Ok. On peut le ceinturer peut-être. Là, on peut le bloquer, hein. Il est en bout de map. Je suis pas sûr à 100% qu'il soit parti par là, il m'a échappé à toute vitesse. Ouais, mais par contre, ce qui est chiant, c'est que là, il peut être en hauteur et donc on peut rien voir. Moi, je passe par la droite. Ok. Ouais, c'est pas évident, du coup. Je sais pas vraiment. Mais déjà, tu as mis des bons dégâts, là. Ça l'a calmé direct. C'est pas mal. Oh, bordel, un piège. Oh non. Ça va, c'est bon, j'ai géré. Attends. Voilà. Merde, il est vers toi. Est-ce qu'il va venir me choper là? Il est vers toi. C'est ça, je le défonce, ouais. Hein, c'est tout vu. Il y a un arbre qui a failli me tomber dessus. Il a l'air tout près, il est peut-être plus haut là. Ah non, il y a un deuxième arbre, arrêtez. Donc c'était dur de savoir d'où vient le cri de ce fait, vu que j'étais en train de me faire balancer. Mais sinon, il a dû partir là-haut. De toute façon, la caméra l'a pas détecté, donc c'est un peu dommage. Putain, c'est bizarre que j'ai des espèces de vieux faux contacts. Oh, il est là, il est là! Il est au niveau du tipi! Il s'enfuit, hein, il a peur! Prends sa fumier! Non, putain, c'est quoi cette précision? Ah, mais là, c'est chaud. C'est pas grave, au moins. Même pas tirer, putain, cette chiant. Vieille physique! Ah, mais quand il s'enfuit, c'est chaud, hein! Il court vite! Il court vite. Oh, bordel! Aïe, aïe, aïe! Prends sa fumier!
Ah, attends, il est en train de suivre la grande route. Ouais. Bon, là, là, ça va, là. Là, on est bien. Putain, faut que je redescende. Oh là là. Ouais, ouais, faut y aller, là. Je continue à le suivre. Si je continue comme ça, je peux le tuer, hein. Peut-être, ouais, effectivement. Là, il part sur un cul-de-sac aussi, encore, là. Peut-être pouvoir le rechoper, hein. À moins qu'il se téléporte, mais ça m'étonnerait, non? J'imagine que non. Il est carrément parti par là, il n'y a rien du tout par là. Bon alors, moi, ça va pas traîner. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de passer par le mid. Et je vais essayer de passer en ligne droite, là où il y a son camp. Sa tanière? Ouais. Oh, une bouteille de gaz! Oh, trop bien! Prends-la! Ah mais attends, on peut le finir avec ça! Bah ouais, carrément qu'on va le finir avec ça. Ça va être expéditif. À ton avis, si je lance ma hache dans la bouteille de gaz. Je sais pas si ça fait exploser. Aucun moyen de le savoir. Ok, on peut essayer ça, hein. Est-ce qu'on est joueur? Non, par contre, effectivement, les flare guns, ça ne fonctionne pas. Ah, il s'est heal, le bougre. Oh merde! Il a pris 40 HP. Ah oui, d'accord. Ouais, merci le jeu. Le jeu me dit d'appuyer sur A, sauf qu'il considère que mon clavier est en QWERTY, donc fallait appuyer sur Q. Aïe, oh, merci beaucoup. Bon, j'ai pris un peu de dommages, mais ça va. Bon, bah j'ai perdu... Je l'ai perdu, le Bigfoot, donc faut espérer qu'il va bien essayer de nous attaquer. On retourne dans le même village qu'avant, et on fout le bol. Ouais, bah là, on va régler ça. Hein. Je pose la bouteille de gaz. Et ce sera tout vu. Bon, il est pas dans son hante, c'est sûr. Les balles en mousse, tu tires avec du nerf. Et encore, moi j'ai des dégâts supérieurs avec les armes à feu avec mon personnage, ça va. Hein. À 10%. Hein. Il porte un gilet pare-balles. Mais c'est vrai que 10% c'est pitoyable quand tu vois que nos balles elles font du 5. Ça veut dire qu'au lieu de faire du 5, je fais du 5. c'est 10% de 5, ça va pas faire un dégât de plus. 5,5, mais c'est quand même pas beaucoup. Hein. Bah, du coup, non. Du coup, c'est 5. Donc ça ne sert à rien. Ça dépend en fait, c'est ça le problème, c'est qu'en fonction de la méthode de calcul du jeu, si ça se trouve la virgule, il te la sucre. Mais je pense qu'il me la sucre, donc je pense que ça vaut que dalle. Donc c'est pas foufou, hein. Ou alors il y a une décimale qu'on ne voit pas. Et j'espère que c'est ça. Il porte un gilet pare-balles. Il porte un gilet par... attends, par bombe nucléaire, ouais. C'est vrai que c'est une belle bête, hein. Il mange bien à la cantine, je pense. Alors, cette fois, je vais essayer de mettre les caméras un peu plus loin, histoire qu'on sache par où ils viennent, vraiment. Je vais essayer de trianguler notre position. Bah, tu sais, à ce stade, s'il vient, il est mort, hein. Ah bah, là... Il y a peu de chances qu'on échoue. Ah, je te dis, la hache, elle s'appelle Axe Big. Bah là, Axe Big, je vais lui mettre dans les fesses, hein. Moi, je vais régler ça au corps à corps aussi, moi, comme les hommes. Comme on faisait à l'époque. Voilà, à la bonne époque. Tel mes ancêtres, je vais le poignarder, il y aura plantage. Tel mes ancêtres vikings, je vais mettre un gros coup de hache. Est-ce qu'on a de la viande à poser, histoire de vraiment augmenter nos chances qu'ils viennent nous faire coucou? Alors non, parce que je n'ai plus de piège. Mais... Ouais, mais même, c'est juste poser de la viande pour être sûr qu'ils viennent, quoi. Pour être sûr qu'il va pas décider de pas venir, parce que ce serait vachement frustrant, ça, hein. Je vois qu'il y a des membres du chat, enfin du moins une personne qui m'a retrouvé sur Twitch pour me follow. Stylé. Très sympathique. Plutôt stylé. Peut-être que je referai des streams quand j'aurai du temps. Bah, et des bons jeux aussi. Oui, tu m'avais envoyé qu'il va y avoir encore une bêta de Halo oui, Infinite. Oui, par contre, ça c'est vrai, c'est le week-end prochain. Et bah très bien, t'auras qu'à la streamer et je viendrai avec toi et on va régler les comptes. Ah okay. Bah là par contre, ouais, on va se mettre plutôt bien si on peut tous les deux la rejoindre. Ouais, bah normalement c'est bon, je me suis inscrit. Bon bah voilà. Ah mais attends, est-ce que Percé se ramènerait aussi? Je pense pas, hein. Ça m'étonnerait. Mais on va faire ça à deux comme des bonhommes, et ça va bien se passer. Parce que moi sur Halo, je suis une machine. Je crois qu'il y aura du Big Team Deathmatch en plus, là, il y aura plusieurs modes. Big Team Battle. Ah oui, Battle, oui, c'est ça le terme. BTB. C'est ça, BTB. Back to Bra. Très bien, on fera ça. Mais on streamera peut-être de ton point de vue alors. Je te hosterai, d'accord? Ça va être super. Yay. Faisons-le, Zenny.
Ah, je suis tellement prêt là, avec ma batte de baseball. Il y a du ruinard sur la table. Qu'est-ce que ruinard? C'est quoi du ruinard? C'est pas, ça parle de Richard la ruina. Il y a un katana au-dessus du lit. Il raconte n'importe quoi, c'est un pied de biche. Par contre, on va régler ça. Oh, mais attends, le pied de biche, ouais, vas-y. À la Half-Life. Toi, t'es la team Half-Life et moi, je suis le... Où est-ce qu'il est? Fumier! D'abord, je lance ma batte. J'ai perdu le pied de biche. T'as acheté la game. C'est quoi ces bruits? C'est pas pour nous. Denis, j'ai peur. Y'a des cams partout. Mais wesh. Eh, t'es fada. Ça va, j'ai paniqué. Ouais, c'est un katana sais. Pour les pauvres. Le pied de biche. Y'a plus tranchant comme katana qu'un pied de biche. Hein. Mais c'est pas grave, ça peut faire même le taf. Même la hache est plus tranchante, dis donc. Bon, il a 128 points de vie, là. Il s'est heal un peu, va falloir lui remettre des balles. On va régler ça à la kamikaze. Je prends la bouteille de gaz dans les mains. Dès qu'il arrive, je la pose à ses pieds. Et on finit ça une bonne fois pour toutes. Ok. Faisons-le. Non, d'abord... Faisons-le, putain. Allez, Zeny. T'as un kit de soins? Non. T'en as plus? Non. Oh là là... C'est toi le soigneur ici dans l'équipe? Bah oui, j'ai plus de kit de soins. Bon bah on est dans la merde. Il a repris... Non sérieusement, il a pris le double des points de vie avec lesquels je l'ai laissé là, c'est une blague. J'ai limite le triple même. Tu l'as laissé à 48. Sérieux? Oh là là. Ouais non mais... Ça joue pour gagner hein, ça joue pour gagner. Ça y est, ça va être pour nous là, c'est la guerre là. Ok plan B, je pose ça là en fait. Ouais pose-le là, laisse-le venir, faudrait qu'il te rush. En fait, la personne qui a l'aggro fonce. Non, mais sinon, on fait comme tout à l'heure, tiens. Comme t'avais fait, je mets la bouteille de gaz devant la porte. Ah oui, ah oui. Je me cacherai ici. Tout à fait, bonne strat. Du coup, faut qu'il vienne sur moi. Ça devrait faire bip, hein, quand. Ok, ah oui, c'est vrai que t'as mis les caméras, c'est bien. Allez, faut venir se battre maintenant. Allez! Viens chercher maintenant! Viens! Il arrive! D'où? Je sais pas, mais il est là. Voilà! Putain, il est pas venu sur moi! Bon, on le défonce, c'est pareil. De toute façon, on va gagner, c'est facile le jeu. Mais il a une range! Il a rien du tout! Il va rien choper, faire, il va rien faire, il va rien faire du tout, fumeux. Il va s'excuser, il va être gentil. Non, le couteau. Lancer de hache. Oui, lancer de hache. Et voilà, c'est facile le jeu en fait. Le jeu est facile, c'est facile le jeu, c'est facile. Voilà. C'est gagné là. C'est la victoire en fait, Zeny. On a triomphé. Le skill a vaincu. Une énième fois. J'ai mis tous les dommages. Tous les dommages. Les damages. J'ai tout mis. J'ai tout mis. Oh, dis donc, tu fais un petit symbole peace, quoi. Ça, c'est trop cute. Peace and love. C'est trop cute. Ah, et bah, il était beau, le jeu. Hein. Et bah, voilà, on nous congratule dans le chat. Ça fait plaisir. C'est beau. Bon, bah voilà, on va mettre le résultat de la prédilection. Ça va gagner des points là-dessus. Ça va prendre des points. Ah, Alors, c'est gagné, choisir le résultat. Ah, il y avait plus de noms, sérieusement. Gredin que vous êtes, eh bah, c'est bien, ils vont se faire des points, les oui. Ça vous apprendra, nous sommes trop forts. Ah mais Kibronze a déjà mis le résultat, très bien, ok. Je vois que je ne sers à rien, même sur mon propre stream. C'est compliqué, hein. Ok, on nous congratule dans le chat, c'est beau. Ça me fait plaisir. On a performé. On a été grandiose. C'était qui avait parié 2000 points? Je sais pas, mais s'il avait parié sur défaite, eh ben il l'a dans l'os. Faut pas jouer avec moi, d'accord? Faut pas jouer avec nous, ouais.
C'est vrai que Zeni, je suis fier de toi. T'as été fabuleux. Sans toi, j'aurais sûrement perdu en boucle. Je serais mort dans la caravane, plein de fois d'affilée, tout seul. J'aurais chouiné. On dit bravo, Zeni. On est fiers. On est fiers de ce jeu en équipe, de cette coopération sans faille. Ça a été extraordinaire. Je viens d'arriver et je me demande, est-ce que des fois tu fais des lives VR? Tout à fait, régulièrement. Il y en aura la semaine prochaine, je pense que je referai du FIF Simulator en live, parce que c'est fun. Donc voilà, lundi, certainement, soyez là pour FIF Simulator. Oula, ça va vite dans le chat. Bon bah voilà, hein. C'était bien. Par contre, il fait quoi avec son panneau stop, le Bigfoot? Bah il voulait nous mettre un stop, mais ça n'a pas fonctionné. Exactement. Non, on nous arrête pas, nous. Très bien. Très bien. Bon, bah voilà, le jeu est pas mal, hein. C'est pas mal, cette grosse mise à jour qu'il a reçue, là. C'est vraiment bon délire, hein. Je pense qu'on fera d'autres jeux dans le même genre, puisqu'il y en a d'autres, où il faut chasser des créatures mythiques, comme ça. On en fera d'autres. C'était plutôt rigolo. C'était très fun. Et puis même pour Bigfoot, il y aura des mises à jour, hein, faut savoir. Il y aura d'autres maps. Parce que là, il n'y a qu'une map, mais il y a d'autres maps qui vont sortir. Un jour, donc, peut-être, ouais. Donc, si des nouvelles maps sortent, on les fera certainement, hein, parce que c'était bon délire. C'était sympa. Très fun. Peut-être un petit peu plus nombreux, mais c'était très sympa. Bon, non, on a été parfait, justement, le challenge, Zeni. On l'a relevé. C'est vrai. On a fait preuve de beaucoup de sang-froid et de maîtrise. Est-ce que je referai du SCP? SCP la brate, oui. Oui, on en refera. Tout à fait. C'est prévu. On espère que le mode multijoueur va sortir un de ces jours, d'ailleurs. Comme ça, on en fera avec Zeni aussi, hein. Mais quand ça sortira... Ce sera rigolo que je redécouvre un petit peu Containment Breach, mais version VR. Faudrait qu'il corrige quelques bugs, quand même. Parce que c'était un peu chiant. Mais tout à fait, hein. C'est prévu. Il y a un autre jeu comme ça, mais avec un autre monstre mythique, je sais plus son nom. Oui, il y en a beaucoup. Ce jeu est assez vieux, et il y en a d'autres qui ont imité le concept, donc on en fera d'autres avec Zeni, je pense. Hein. On en fera d'autres, parce que c'est rigolo. Oh, Conscrit a encore prolongé son abonnement d'un mois, d'accord? Bah merci beaucoup. C'est peut-être un peu... dis non. T'es un peu foufou, Conscrit. On sait jamais, si ça se trouve, dans deux semaines, je ferai de la grosse merde, hein, et là, t'auras raqué pour rien, c'est pas... Allez, t'es un peu foufou, hein. Allez. Voilà. Oh, Zeni s'est abonné avec Prime. Alors, je sais pas qui c'est, mais il a l'air super, ce mec-là, hein. Il a l'air grandiose. Ouais, je pense que ce gars-là, il doit être plein de skills. Ah, on adore, Zeni. On aime. Est-ce que je vais poster la rediffusion? Alors, toi, t'as un beau pseudo, Valvindex, ça me plaît, ça. Mais oui, je vais la poster, tout à fait. J'ai une chaîne de rediffusion, elle est dans la biographie de la chaîne Twitch. Je mets toutes les rediffs. Biographie. Tout à fait. donc oui, la rediff, il sera d'ici quelques jours. Mais bon, on va s'arrêter là-dessus, hein, Zeni. C'est super. Je pense que j'ai mérité un bon gros sommeil. Tout à fait. Tout à fait. Tu as été héroïque. SCP-173 m'a tué à travers le mur. Oui, non, mais le jeu, c'est un peu la merde. Hein. Mais c'est pas grave, on en refera quand même parce que c'est rigolo. Mais on verra. Peut-être un peu plus tard. On va attendre les mises à jour, tout ça. Mais la semaine prochaine, ouais, ça va partir en FIF Simulator. Et je pense que pour le jeu d'horreur de la semaine prochaine, vendredi prochain, j'ai envie d'être un peu foufou. Ok ? Donc je pense qu'on va faire du Five Nights at Freddy's en VR. Oh, comme ça, ça va être bien, juste pour le plaisir, pour passer des bons moments de kiff. Hein. C'est pas un jeu dégueulasse avec des screamers ultra cheap, ça. Hein. Non, ça va être bien. On va s'amuser. Donc je vais sûrement faire ça. J'aime me faire du mal. Je crois en toi, Max, t'es mon youtubeur et streamer préféré. Bah, c'est gentil. Merci beaucoup. C'est bien gentil à toi, Conscrit. Est-ce que t'es sur le Discord, toi? N'hésitez pas à venir sur le Discord aussi pour être informé des lives. En général, pour les lives, je serai le lundi et le mercredi. Et parfois le mardi, sûrement, donc plutôt début de semaine. Et après,
Alors pour des jeux aléatoires, hein, ça à chaque fois, selon ce que j'ai envie de faire. Hein. Mais par contre, tous les vendredis soirs, c'est jeux d'horreur. Hein. Ça, c'est clair. Je sais pas s'il est payant. Le Rake, c'est la même chose que ce jeu. Ouais, alors lui, il existe entre autres, oui. Mais lui, je crois qu'il est pourri. Mais il y en avait d'autres en tout cas. Donc dans tous les cas, on en fera d'autres. Mais je crois que le Rake, il est un peu claqué au sol, celui-là. C'est un peu une sous-version, il me semble. Hein. Mais on en fera d'autres, on en trouvera d'autres de toute façon. Je suis sur le Discord, toujours présent, et bah c'est parfait. Donc pour ceux qui sont sur le Discord, hein, à chaque fois je fais des annonces aussi pour les lives, hein, pour que vous soyez au courant, donc c'est bien d'y être. C'est quoi la chaîne de Zeni? La chaîne de Zeni, bah c'est Zeni Spartan sur YouTube. Après c'est introuvable. Hein, mets un message dans le chat. Ah oui, pardon. Oui, la chaîne Twitch. Bah, est-ce que tu vas encore faire des trucs sur ta chaîne YouTube aussi? Je sais même pas si c'est prévu ça. Ma chaîne YouTube, de base, je postais pas grand-chose. Par contre, les vraies vidéos que je faisais, je les foutais là-dessus. La chaîne, mon ancienne team R6. Donc, c'est que du gros skill. Si, j'ai quand même fait des petits let's play d'Amnesia et de... Ah, yeah. Blender, le tout en hard, mais... À l'ancienne. C'est beau, ouais, ça. Ouais, se faire plaisir. Okay, mais ouais, bon, sinon bah, je voilà. Fais pas grand chose. Hein. Bah, t'as pas le temps. T'as posté flemme. Donc c'est bien. En plus, t'as parlé dans le chat, donc les gens peuvent te suivre sur Twitch aussi, parce que tu feras sûrement sur des Twitch. Petits lives de temps en temps, hein, mais que je serai sûrement sur ma chaîne de toute façon. Et je participerai sûrement avec toi. Hein. Du coup, le week-end prochain, on fera certainement du Halo Infinite hein, de ce fait. On s'est bien parti pour. Il disait, attends, les dates c'était 18, ouais, c'est ça, 18 au 20 ou un truc du genre, donc samedi pro. C'est sûr. Ouais, on fera ça alors, hein. Je pourrais essayer de voir ça. Hein. Mais les retours étaient bons, toi t'avais déjà essayé, hein. Donc ça te semblait bien le multijoueur ouais, de ça Infinite. Va être bien, ça risque d'être bien quand même. Je veux dire, okay. À partir du 24 septembre, non, un peu, c'est légèrement différent, c'est à partir de vendredi dans 2 semaines. Et ben on le fera à ce moment-là. Pas la semaine pro, c'est dans 2 semaines. On fera ça le week-end d'encore après alors. Ouais. Coucou, je viens pour la première fois sur ton live, mais sache que tu m'as vraiment aidé à sortir une période difficile avec tes vidéos. Donc continue comme ça, ça me fait plaisir. Ça fait plaisir à entendre ça. Et bah bienvenue. N'hésite pas à me suivre sur Twitch aussi, on sera en live régulièrement. Mais je suis content de l'entendre. Tu feras un vert chat ou autre avec tes abonnés? Même pas forcément en vert. Bah si je le fais, ce sera en vert, parce que déjà que vert chat ça fait peur, j'aime autant y jouer en VR, histoire que ça ait un intérêt. Mais oui, on fera sûrement ça, mais bon, VR chat, c'est spécial. Hein. Il y a des gens étranges là-dessus, mais on fera sûrement un petit tour là-dessus avec Zeni quand même, oui, c'est prévu. C'est juste quand j'ai essayé le jeu, ça m'a rendu malade, hein, mais tranquille. Oui, il y a ça aussi en plus, ouais. Il y a des soucis de performance, donc le motion sickness, c'est quelque chose aussi sur VR chat. Hein. C'est violent, mais oui, on fera sûrement ça. C'est prévu. On va rester là, hein, je pense. Ouais, là je vais aller retrouver un oreiller. Hein. Très bien, très bien, très bien. Bon, merci à tous de nous avoir suivis, ça fait plaisir, on se revoit bientôt. On se revoit lundi, normalement, je ferai certainement du FIF Simulator, mais à tout moment, je changerai peut-être d'avis, parce que je suis comme ça, mais dans tous les cas, lundi soir, certainement, je serai en live. Voilà, des bisous, salut tout le monde, à la prochaine. Hasta la vista.